Eh oui, c'est nouveau l'heure. Eh oui, c'est moi, je suis de nouveau là. Bonsoir, très chers amis. Ce soir, eh bien oui, nous sommes le 31 du mois. Et 31 du mois, bah, il se passe plein de choses. Il se passe qu'il y a également un webinaire. Et c'est un webinaire de présentation du projet des moteurs du UNOF. Et qu'est-ce à coup? Eh bien, on attend de voir que les gens arrivent, parce qu'il est l'heure. Donc, tout doucement, les gens arrivent dans la salle. Je sais que nous sommes souvent à l'heure africaine, donc ma foi, il faut attendre quelques minutes supplémentaires pour pouvoir commencer. Et comme ça, il y a un flot de gens qui arrivent juste après qu'on ait démarré. Mais c'est pas grave, hein, l'essentiel, c'est que les gens arrivent. Il y en a qui vont prendre les indications et les explications au vol, et ma foi, ils feront avec. Alors, si vous avez vous aussi des difficultés parfois à expliquer ce business, expliquer ce financement participatif, expliquer ce projet, eh bien, ma foi, je suis à nouveau là avec vous ce soir pour vous expliquer comment ça fonctionne. C'est vrai que aussi j'ai des replays qui existent, qui sont donc ce qu'on appelle des rediffusions. Des rediffusions qui sont postées en général sur la chaîne YouTube officielle Solar Group en français. Mais il se trouve que parfois j'ai un petit peu de retard et il y a des gens qui m'ont demandé à cor et à cri le webinaire de la semaine passée avec Pavel Filipov, mais ce n'est pas toujours possible aussi rapidement. Voilà, j'en ai d'autres qui sont en retard encore pour être publiés. Donc voilà, soyez patients et ce sera fait et vous allez pouvoir les utiliser. L'essentiel étant bien évidemment d'être là en direct parce que ben, c'est plus efficace. Ça vous permet au moins de voir les choses et d'entendre et de ne pas courir après pendant une semaine à me demander si je publie bientôt. Bon, c'est pas faute, hein, bien sûr. Je ne vais pas dire, hein, je vais pas jeter la pierre à tout le monde. Voilà, c'est comme ça. Alors, vous le savez bien, en ce moment, c'est une grande période pour le projet des moteurs du UNOF, parce que certains disent qu'il touche à sa fin. Enfin, il n'est encore pas à la fin, hein, d'ailleurs. Voilà. Ceci dit, on a bien progressé parce qu'on a déjà récolté dans ce projet 62 millions de dollars à présent. Plus que 62 millions, et que notre objectif est d'en récolter 70. Donc, il reste encore un petit peu moins de 8 millions à récupérer, mais cela se fera progressivement en fonction de l'intérêt et de l'engouement des gens qui seront intéressés par investir dans ce projet. Ceci dit, parfois, les gens se posent la question s'il y a des risques à investir dans un tel projet. Je dirais que oui, il y en a. Il y a toujours des risques, quel que soit le business que vous allez développer, quelle que soit l'activité que vous allez avoir une part de risque. Simplement, le pourcentage de risque diminue en fonction que ce projet avance. Et moi-même, je suis maintenant là depuis 2018 et le projet existe depuis 2017. Et on est toujours là, comme dirait l'autre. Voilà. Donc, ce qui fait que, en fait, eh bien, on a la chance de pouvoir vous proposer quelque chose qui tient la route. Et nous avons également beaucoup d'images en ce moment. Petite aparté, petit scoop que je voudrais vous livrer ce soir, d'emblée, comme ça. Comme ça, il y aura que les gens qui étaient déjà là qui auront le scoop. Vous allez pouvoir le répéter peut-être à d'autres, bien sûr. Il se prépare un grand webinaire donc en ligne fait par la direction. Le genre de webinaire que vous avez en fin d'année, vous savez, les webinaires qu'on suit à Noël et qui nous donnent toutes les indications de ce qui se fait donc durant toute l'année. Eh bien là, on est à la moitié de l'année, on est en pleine période promotionnelle et de besoin d'attirer des fonds pour ce projet. Et dans quelques jours, alors je n'ai pas la date parce que on n'a pas su me la donner. Mais sachez qu'il faudrait que vous vous prépariez à regarder ce méga webinaire donc en ligne dans les prochains jours. Il est en cours de préparation et c'est pour ça qu'on ne sait pas vous donner encore la date parce qu'il n'y a pas encore de choses très précises quant à la finition de ce webinaire, quand est-ce qu'il sera fini pour vous le montrer.
Parce que bien sûr, vous savez bien, comme maintenant, les webinaires internationaux sont diffusés dans de nombreuses langues, dont le français. Eh bien, il faut traduire tout ce que disent les speakers et ce n'est pas toujours chose facile. Bon, alors écoutez, on a assez fait blabla. Je pense qu'il est peut-être l'heure de démarrer cette présentation. Je vais prendre, comme d'habitude, bien mon PowerPoint explicatif et puis nous allons bien sûr démarrer. Si vous avez des gens en retard, eh bien, appelez-les. Je voudrais d'emblée vous signaler que ce soir encore, comme c'est une présentation, eh bien, je vais vous offrir un cadeau, un code promotionnel que vous distribuera tout à l'heure mon assistante Barbara et avec grand plaisir, on vous le distribuera inbox, mais uniquement pour ceux qui sont dans la salle Zoom. Donc, si vous non plus, vous n'aviez pas reçu de code en participant à une présentation en présentiel, eh bien, je vous invite cordialement à tout simplement venir maintenant dans ce webinaire et de ramasser un code dans quelques instants que l'on est en train de vous préparer inbox dans la salle Zoom. Voilà, alors, on y va, donc on se retrouve dans quelques secondes. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ce nouveau webinaire explicatif qui va vous donner des indications sur ce que c'est que le projet des moteurs du. Donc, je me présente, je suis Gilles Weber, partenaire national sur la groupe de différents pays. Aujourd'hui, ils sont déjà au nombre de 9. Et oui, ça augmente tous les jours, comme dirait l'autre. Donc, je suis fraîchement élu également pour le Mali. Le Burkina Faso et Haïti. Donc voilà, et il y en a donc pour toutes les couleurs et il y en a pour tous les goûts. Alors le Mali, on l'a encore pas rajouté sur cette feuille-là, mais c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois, on vous le rajoute. Et d'emblée, je vais donc vous dire aussi que je suis un orateur certifié, ça y est, on va y arriver, un orateur certifié qui bégaye. Et cet orateur certifié, eh bien, c'est une certification qui maintenant plane au-dessus de la tête de plusieurs orateurs à travers l'organigramme de Solar Group, et que cette certification permet de démontrer et montrer qu'il y a ici des choses qui sont dites de façon claire et transparente, et que vous pouvez vous fier à ces informations qui vous sont données là. Voilà pour ces indications concernant donc mon certificat d'orateur. Le projet des moteurs du UNOF est un projet de financement participatif qui doit développer une technologie qui consiste à améliorer les moteurs électriques dans le monde. Alors, pourquoi les moteurs électriques? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des engins qui sont utilisés partout autour de nous et que nous sommes à un point de ne même plus nous rendre compte de la réalité et du nombre de moteurs que nous avons tout autour de nous. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'investir dans ce marché? Nous allons le voir ensemble. Pourquoi c'est intéressant d'investir dans ce projet? Nous allons le voir ensemble. Et comment fait-on pour gagner de l'argent avec ce projet? On va le voir ensemble aussi. Le principe de base est de devenir actionnaire d'une société internationale située en Russie. Et cette société internationale est une société industrielle qui est susceptible de créer, de fabriquer des nouveaux moteurs d'une nouvelle génération qui permet de faire des économies de toutes sortes. Cependant, pour pouvoir accéder à l'actionnariat aujourd'hui, eh bien, on n'en a pas toujours les moyens. C'est-à-dire que si le banquier ne vous a encore pas appelé pour vous proposer des actions dans une société, c'est très certainement parce qu'il considère que vous n'avez pas assez d'argent sur votre compte en banque ou que vous n'êtes pas le bon candidat. Alors, ici, dans ce que nous nous proposons chez Solar Group, il y a une grande différence, c'est que nous nous adressons à tout le monde, à toute personne qui est intéressée à devenir actionnaire d'une société à l'étranger. Et pourquoi à l'étranger? Parce que nous sommes dans un monde francophone et que, bien sûr, je m'adresse essentiellement à des francophones qui ne vivent pas forcément en Russie. Pourquoi la Russie? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a là-bas des gens qui ont beaucoup de talent dans le domaine de l'ingénierie et que ce projet est assez unique au monde.
notamment parce que le financement participatif n'est pas tellement connu ni reconnu dans certains pays. Notamment moi-même qui suis assez souvent sur le continent africain, eh bien, il n'y a pas beaucoup de reconnaissance du financement participatif. C'est un phénomène qu'on ne connaît pas beaucoup. Et pourtant, il existe depuis de nombreuses années. Donc, je vous invite vraiment à vous rendre compte que c'est une possibilité développer ici un portefeuille d'action dans une société qui sera à l'avenir une société internationale. Donc là, le décor est donc planté, en quelque sorte, si je puis me permettre ainsi, et voilà l'occasion de montrer en plus ce qui va se passer dans ce financement participatif. C'est que nous allons recevoir ici donc un ensemble d'argent qui est un argent qui est levé, on appelle ça une levée de fonds, une levée de fonds auprès du public. Et c'est ce qu'on appelle aussi le grand public. Et ce grand public, eh bien, c'est ce qu'on appelle aussi le marché populaire. Donc, voilà, le financement participatif populaire. Pourquoi populaire? Parce qu'il s'adresse à tout un chacun. C'est-à-dire que vous, personnellement, en tant que citoyen lambda, un peu comme moi, eh bien, vous avez la possibilité d'investir dans un projet qui est un projet d'avenir et qui est donc un projet international réparti sur aujourd'hui quelques 194 pays. Donc, ce n'est pas rien, c'est quelque chose de quand même très important. C'est quelque chose de mondial, c'est planétaire et il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce projet. Il y a beaucoup de gens aussi qui s'inscrivent sur ce projet et qui ne font pas grand-chose. Ça, c'est assez courant. Nous avons uniquement un pourcentage de gens qui s'inscrivent sur notre plateforme parce qu'à la base, on travaille sur une plateforme Internet. Et les gens s'inscrivent sur cette plateforme Internet, mais très souvent, ils n'ont peut-être pas bien compris le principe qu'il fallait investir. Donc, il faut investir de l'argent. Mais quand on parle d'investissement, souvent, les gens prennent peur parce qu'ils se disent « Oula, investir, c'est un bien gros mot. Donc, si je dois investir, ça veut dire que je dois disposer de beaucoup d'argent. » Ce qui n'est pas forcément le cas parce que, justement, le financement participatif s'adresse à des gens qui ont peut-être des revenus moyens, voire même faibles, et qui sont prêts à se décarcasser pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir investir encore plus. Alors, pourquoi je dis se décarcasser pour gagner de l'argent? Parce que la société Solar Group propose également, en dehors de l'investissement, à ce que vous puissiez gagner de l'argent pour investir. Mais ça, c'est encore un autre domaine. Pour l'instant, je ne veux pas trop vous embrouiller, mais il s'agit, dans un premier temps, de vous expliquer l'investissement. Tout à l'heure, à la fin de mon exposé, qui va durer environ 1h30, eh bien, je vais vous donner une possibilité de gagner de l'argent avec Solar Group. Et de cette façon, vous allez pouvoir investir. Il y a aujourd'hui un groupe de sociétés qui existe dans ce projet. Ce groupe de sociétés est composé de 3 sociétés, dont 2 sont particulièrement plus connues que la première, bien que la première soit à la base de tout ce que nous vous proposons aujourd'hui. La première société s'appelait ASEPP. Et ASEPP, c'est donc une société russe dirigée par M. Dmitri Duhunov, qui est un ingénieur, et qui s'est entouré d'autres ingénieurs et qui ont développé le fameux bobinage combiné de type Slavyanka. On va y venir tout à l'heure et je vais vous expliquer ce que c'est. Et donc, cette société ASCPP a développé un certain nombre de brevets et ces brevets, aujourd'hui, eh bien, les a reversés dans une nouvelle entité qui est créée depuis 2017 et qui s'appelle Sovelmash. Cette société Sovelmash est un peu quelque chose de gigantesque à côté de ASCPP, qui était un petit atelier en quelque sorte. Et aujourd'hui, Sovelmash, c'est l'objectif de monter un bâtiment de création de moteurs qui s'appelle un bureau d'études et d'ingénierie, qui s'appelle Sovelmash. Et là aussi, on va créer un moteur électrique. Donc, ça, c'est le deuxième participant à ce groupe. Et puis, le troisième, bien, c'est nous. Alors, quand je dis c'est nous, c'est parce que personnellement, je représente la société Solar Group ici et que dans ce cadre,
nous avons la société Solar Group qui récolte des fonds pour financer la société Sauvelmash. Alors, Sauvelmash, c'est quoi? Eh bien, c'est un bureau d'études et d'ingénieurs. C'est une industrie, c'est dans le domaine de l'industrie des moteurs électriques. Donc, on va essayer de comprendre comment ces trois sociétés vont pouvoir se combiner et comment elles vont pouvoir avancer et vous faire des propositions. Sachez qu'à ce stade, la société ASCPP détient 40% de la société Sauvelmash, qui se trouve au milieu sur cette image, et la société Solar Group détient 49,5%, sachant que le reste, ce sont des directeurs et ce sont ce qu'on appelle l'organe de gestion. Ce sont des gens qui vont diriger la société, qui sont les autres partenaires qui détiennent les autres parts. Voilà donc pour ces explications concernant donc la répartition des rôles de ces trois sociétés. La société Solar Group, elle, qui est une société financière internationale, également internationale, je précise, eh bien, ces sociétés financières internationales disposent d'un agrément. Et cet agrément est délivré par la République de Vanuatu. C'est un pays qui se situe dans le Pacifique, à côté de la Nouvelle-Calédonie, pour ceux qui ne connaissent pas trop la géographie donc du monde. Bon, j'avoue que moi non plus, hein, je ne savais pas au début. Donc voilà. Et là, Vanuatu, eh bien, c'est en fait le siège social de la société Solar Group. Donc, petite précision au passage, pour ceux qui commençaient à tiquer quand j'ai dit que la société Solmach était en Russie, eh bien, Vanuatu n'est pas en Russie. Donc, c'est pour ça que votre argent est en sécurité et que tout va bien. L'objectif de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire cette récolte de fonds, eh bien, cet objectif, c'est de construire ce fameux bâtiment que vous voyez ici à l'écran. Il s'agit d'un bâtiment de 17 000 mètres carrés qui est en cours de construction. Ici, c'est la maquette que vous voyez. Et dans ce bâtiment, eh bien, on va réaliser des créations de moteurs. On va même créer les chaînes de fabrication de ces moteurs. Et on va vendre ensuite ce concept et cette technologie, pas les moteurs, la technologie, on va la vendre à des clients. Parce que, en fait, la technologie en elle-même permet de développer des moteurs spécifiques. Et si vous êtes peut-être, pour avoir un exemple concret, peut-être que vous-même, vous êtes dirigeant d'une société qui vend des brasseurs ou des moulinex, ou peut-être, je ne sais pas moi, des moulins, ou encore des moteurs pour l'industrie. Eh bien, vous pourriez être intéressé par développer un moteur avec Monsieur Dunoff. Et dans ce cadre, eh bien, on a besoin de savoir comment fabriquer ce moteur. Et dans ce bâtiment, qui paraît grand comme ça, 17 000 mètres carrés, eh bien, on va en fait développer des moteurs électriques que la société va proposer à de grands industriels. Ces grands industriels, ce sont des gens qui fabriquent des moteurs. Ce sont les fabricants de moteurs. Les clients de Sauvelmash, ce n'est pas vous et moi, parce que ça coûte très cher de développer un moteur. Mais les clients de Sauvelmash, ce sont des gens qui ont des usines de fabrication de moteurs. Et ces clients-là ont besoin de ce qu'on appelle un bureau d'études. C'est un peu comme les constructeurs de maisons qui ont besoin d'un architecte pour des maisons. Eh bien, dessiner et créer les prototypes donc de moteurs. Je voudrais préciser une fois de plus que je vous parle aujourd'hui encore en direct de notre bureau Solar Group au Bénin et que je vois que on m'indique qu'il y a parfois des petites instabilités dans mon Internet qui font que vous pourriez avoir des petites coupures de son ou quelque chose de ce genre-là. Donc veuillez m'en excuser, c'est absolument indépendant de ma volonté. Alors revenons à notre bâtiment. Et voyons ce qui se passe. Où est situé ce bâtiment? Il est situé en Russie, à Zelenograd, très précisément, et il est situé dans ce que l'on appelle une zone franche. Une zone franche, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un endroit où le gouvernement a mis un petit pied
et ses billes et son argent, développer un territoire qui soit beaucoup mieux équipé que d'autres territoires traditionnels. C'est-à-dire qu'il y a des transports qui sont possibles, il y a des routes bien faites, il y a du déneigement aussi, parce que là, on parle de Russie. Il y a également du chauffage, il y a de l'eau, il y a... ça paraît peut-être banal, hein, tout ça pour certains, mais il y a aussi un poste de douane permanent 24 heures sur 24. Il y a des infrastructures d'électricité qui sont beaucoup plus puissantes pour pouvoir alimenter un bâtiment comme celui-là, etc. etc. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Et notamment aussi le fait de pouvoir acheter le terrain, racheter le terrain qui a été loué. Et ce terrain, dans la zone économique spéciale, eh bien, la société Sauvelmash, qui construit le bâtiment, eh bien, sera susceptible de pouvoir le racheter à moindre frais. Voilà. Et ce document que vous voyez là atteste que ce terrain a été octroyé à la société Sauvelmash pour construire un bâtiment. Et octroyé gratuitement, d'accord, au départ. C'est ce qu'on appelle aussi une certaine location de ce terrain, mais avec option d'achat. Alors, on peut souvent demander quelle est la garantie de ce que nous proposons. Eh bien, la garantie première, c'est de vous dire que nous avons un terrain dans une zone franche. Donc, lorsque nous avons, par définition, un terrain dans une zone économique spéciale, une zone franche, ça veut dire qu'on a un soutien de l'État. Et si on a un soutien de l'État et du gouvernement, cela veut dire qu'on peut aller un peu de l'avant, parce qu'on ne vient pas dans un tel territoire qui veut. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des idées de création de magasins ou de commerce ou d'industrie, et si vous êtes allé voir votre président de votre pays et que vous allez voir « Coucou, c'est moi, je voudrais un terrain gratuit » et que le président vous a dit « Bien évidemment, viens, je vais te donner ça tout de suite ». Vous êtes tout à fait conscient que ça ne se réalise pas comme ça. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la société Sauvelmash a apporté suffisamment de garanties pour pouvoir obtenir un terrain et que ce terrain soit donc sous l'égide des autorités russes. Et ce qui nous donne, en quelque sorte, une garantie que ce projet va s'achever correctement. C'est-à-dire qu'on va aller jusqu'au bout du projet. On ne va pas l'abandonner, vous comprenez ? Parfois, les gens trouvent dans une garantie, ils pensent tout de suite à la garantie de remboursement. Cela ne peut pas exister dans le projet que nous faisons. Pourquoi ? Mais parce que nous avons 90% des fonds qui sont récoltés qui partent dans la construction du fameux bâtiment. Et si nous récoltons de l'argent et que l'ouvrier a reçu son salaire, on ne va pas lui redemander son salaire dans quelques jours parce qu'on estime qu'on a fait un mauvais pas. C'est donc pas possible de redonner l'argent. On vous donne forcément dans ce financement participatif équitable, parce qu'il s'appelle comme ça Equity, Crowd Investing Equity. Eh bien, vous avez en échange des parts de la société. Ces parts deviendront plus tard actions. Mais ça, on va le voir dans un instant, après que j'ai avancé mon petit slide et qu'on poursuive avec une image récente du chantier. Avec, vous avez vu tout à l'heure la maquette. Voici le bâtiment réel. Ah oui, il est déjà grand, il est déjà monté. Il n'y a plus que les alentours qui sont encore un peu en dessous de ça. Mais là, c'est une image du mois de juin. Nous sommes déjà au mois de juillet. Et il y a des images très récentes qui vont apparaître tout à l'heure, de telle manière à ce que vous puissiez avoir une meilleure idée encore de ce qui se passe réellement sur le terrain en ce moment. Maintenant, pour que vous ayez une meilleure idée de ce que fait cette société Sauvelmash, eh bien, je vais vous proposer une légère vidéo, une très courte vidéo qui va vous indiquer ce que fait réellement la société Sauvelmash pour que vous ayez une meilleure idée dans quel domaine et quel type de moteur elle prévoit de créer dans ce bâtiment que vous voyez sur cette image. On se retrouve juste derrière avec d'autres explications. Sauvelmash est une société d'ingénierie.
Son objectif principal est de tirer profit de la commercialisation de la propriété intellectuelle en matière du développement des moteurs électriques asynchrones, économes en énergie, en utilisant les technologies brevetées uniques des bobinages combinés du nom de Slavenka. Les moteurs asynchrones sont largement utilisés dans le monde entier, dans l'industrie, l'énergie électrique, la construction, l'agriculture, le transport et le domaine militaire, le logement, le transport électrique et plusieurs autres domaines. Les moteurs utilisant la technologie des bobinages combinés Slavenka sont plus économes en énergie et ont une ressource et une fiabilité accrue et un coût inférieur que leurs analogues classiques. Ils peuvent également avoir la classe d'efficacité énergétique IE3 ou IE4 ayant une carcasse de moteur de classe IE1, ce qui à son tour peut résoudre les principaux problèmes environnementaux mondiaux grâce à l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction de la consommation d'électricité. Une parcelle de 2,1 hectares a été allouée à la société Sovelmash dans la zone économique spéciale Technopolis Moscou pour la construction d'un bureau technologique d'études et d'ingénierie à Alabouchevo. Le futur bureau d'études Sovelmash permettra de développer des machines rotatives électriques innovantes, uniques et efficaces, conçues spécifiquement pour les besoins et les exigences de ses futurs clients. À ce jour, la technologie a déjà réussi à faire ses preuves sur le marché des moteurs électriques. En Russie et dans d'autres pays, des centaines de milliers de moteurs asynchrones existants ont été modernisés en utilisant la technologie Slavenka. À présent, la société dispose déjà de ses propres capacités, y compris un site d'essai, des secteurs de bobinage et de fonderie, ainsi qu'un laboratoire d'essai de haute précision. Toutes les capacités déployées dans les locaux en location depuis 2017 représentent une miniature du futur bâtiment en construction et sont nécessaires pour mettre au point les méthodologies de travail, les tests et les études qui seront utilisées par nos ingénieurs pour concevoir des moteurs électriques et développer la technologie de production automatisée sous peu. Voilà, vous avez donc eu ici un petit exemple de tout ce qui peut se faire dans cet établissement, dans cet bureau d'études et d'ingénierie, tout ce qui va être créé. Et afin que vous puissiez avoir quelques notions un peu plus techniques sur ce qui est proposé, parce qu'on est des fois bien comprendre, bien que ce ne soit pas le but ce soir non plus de vous donner des infos techniques, mais juste par quelques exemples et des démonstrations schématiques, vous dire qu'à l'intérieur des moteurs électriques classiques qui existent de nos jours, depuis 60 ans, eh bien, il y a notamment ce qu'on appelle les bobinages. À l'intérieur, ce sont des fils de cuivre qui sont enroulés d'une façon ou d'une autre. Ils sont enroulés soit de façon triangle, soit de façon étoile dans un moteur que vous connaissez aujourd'hui déjà. La différence avec l'innovation technologique de M. Duhunov, c'est qu'il a souhaité mixer les deux. Alors, cette technologie, il faut préciser qu'elle existait déjà. Ce n'est pas M. Duhunov qui l'a proprement dit inventé. En fait, c'est un autre monsieur qui l'a inventé au début du siècle dernier et il a eu l'occasion de ne le faire que sur un type de moteur avec une seule dimension. Vous voyez qu'en fait, les moteurs électriques, vous en avez des petits, vous en avez des gros. Eh bien, ici, M. Duhunov, lui, il a créé la méthode qui permet d'adapter cette technologie sur tous les moteurs électriques asynchrones, quelle que soit la dimension qui existe aujourd'hui. Donc, c'est ça la différence. Il l'a aussi appelé au début la méthode triangle-étoile. Et puis, comme il a voulu donner un nom propre à son invention, à sa découverte, son amélioration de la découverte, en quelque sorte, eh bien, lui, il l'a appelé la technologie des bobinages combinés de type Slavenka. Il a donné un nom. Et donc, ça s'appelle comme ça. Et alors, qu'est-ce que ça va nous apporter? Eh bien, ça va nous apporter tout un tas de choses qui sont très intéressantes pour tout le monde. Quoi donc? Eh bien, 40% de... C'est pas rien. Imaginez que vous-même, à la maison, chez 40% d'économie sur une facture d'électricité. Ça serait quand même pas mal. Non, mettez-vous à la place d'un grand industriel. Eh bien,
pas forcément moi qui bégaye, c'est aussi la connexion qui n'est pas toujours très bonne. Alors, donc, imaginez maintenant que vous êtes dans une. Vous avez des milliers de moteurs qui tournent. Par exemple, de l'agroalimentaire ou des boissons, quelque chose comme ça. Là où on pompe beaucoup, vous savez, et où on a des canettes, par exemple. Eh bien, là, on a 40% d'économie sur la facture d'électricité qui est énorme dans ce genre d'industrie. Maintenant, il n'y a pas que ça. Maintenant, on pense aussi que comme c'est plus nouveau et que ça vient de sortir, eh bien, c'est plus cher. Ah non, ce n'est pas plus cher. Eh bien, monsieur Duneuf, avec trois moteurs actuels en utilisant la scie électrique à l'intérieur, lui, il dit, moi, j'arrive à en faire quatre. Donc, ce qui veut dire qu'on a 30% d'économie, jusqu'à 30% d'économie sur la fabrication de ce type de moteur. Donc, ces moteurs, à la base, sont moins chers. Ils sont même moins chers que les moteurs chinois. Ah, pourquoi parle-t-on de moteurs chinois? Eh bien, parce que ces moteurs chinois, en fait, à la base, sont fabriqués avec des aimants. Et vous en avez très certainement tout autour de vous. Pourquoi? Parce que la Chine est le pays qui vend le plus de moteurs électriques au monde. 52% du marché des moteurs est détenu par la Chine. Donc, ce qui veut dire que les Chinois ont une technologie, mais qui aujourd'hui est un peu, comme on dirait, surpassée par la technologie de M. Duneuf. Et les Chinois eux-mêmes sont très intéressés par cette technologie parce que comme ils sont leaders sur le marché des moteurs, eh bien, ça les intéresse de pouvoir utiliser une technologie qui va rendre meilleur leur fameux moteur. Oui, parce qu'ils vendent beaucoup à travers la planète. Donc forcément, il faut commencer par toucher les Chinois. Et c'est d'ailleurs ce que fait un de nos partenaires qui s'appelle Victor Aristov, dont je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'il fait avec les Chinois tout à l'heure. Et on va se rendre compte qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Nous avons également une fiabilité accrue de la longévité des moteurs, c'est-à-dire qu'ils vont durer beaucoup plus longtemps, facteur de service 2,5. Nous avons une réduction du bruit et des vibrations, sachant que beaucoup de ces anciens moteurs sont très bruyants et émettent aussi des vibrations qui font qu'effectivement, eh bien, on a parfois besoin d'avoir un sol différent pour pouvoir les adapter. On a aussi beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans ce domaine-là, parce que ça peut aussi protéger les gens qui travaillent dans l'industrie et qui n'auront à ce moment-là besoin de moins de protection pour supporter le bruit et les vibrations de ces fameux moteurs. Il y a également quelque chose de très important et dont on a déjà parlé dans la vidéo précédente, c'est l'amélioration de la classe d'efficacité énergétique jusqu'à IE3, IE4. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Eh bien, en fait, vous savez, les gros moteurs, les énormes moteurs qu'on trouve dans l'industrie et qui coûtent très cher et qui sont de classe IE4 ou peut-être IE3, eh bien, ces gros moteurs, on peut maintenant les mettre dans une carcasse de moteurs IE1, IE2, ce qui aujourd'hui n'est plus possible dans certains pays. Il y a encore en Russie que c'est possible, il y a encore en Chine, mais la Chine a émis également l'exportation également de ces moteurs une nouvelle norme qui consiste à appliquer la norme IE3, IE4, efficacité énergétique IE3, IE4, pour ces moteurs électriques. Donc, les Chinois sont maintenant intéressés parce que le IE3 et IE4, ils vont pouvoir le mettre dans leurs fameux moteurs qui sont de classe IE1 et IE2. C'est ça l'objectif. Si vous n'avez pas très bien saisi l'histoire, c'est les gros moteurs qui se trouvent dans l'industrie. Monsieur Duneuf, il dit, voyez ce gros truc-là. Moi, je vous le ramène dans un petit moteur comme ça. Il va faire la même chose. Il va coûter moins cher. Et en plus, il va consommer moins d'électricité. Par-dessus le marché, il va y avoir un coût de démarrage beaucoup plus important. Il va y avoir une réduction du courant d'appel de moins de 35% inférieur. Et grâce à toute cette technologie, on a développé quelques 22 brevets aujourd'hui. Donc, ce n'est pas rien. Si vous voulez investir dans ce domaine, vous pouvez déjà vous rendre compte d'une chose, c'est que non seulement nous avons un bâtiment qui est presque terminé d'être construit, et on va voir des images tout à l'heure, et nous avons 22 brevets. Donc, ces 22 brevets, ils ont forcément une valeur. Parce que quand la technologie va être connue et de plus en plus connue à travers le monde, eh bien, cette valeur du brevet va augmenter.
Et donc, aujourd'hui, on peut dire que toute personne qui investit ses maigres revenus ou ses maigres argent qu'il a pu mettre de côté, eh bien, il va pouvoir le faire fructifier au moins 3 fois le montant de ce qu'il a investi. Parce que la valeur du bâtiment et la valeur des brevets représentent déjà au moins 3 fois le montant de votre investissement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, d'ailleurs, c'est M. Duneuf lui-même dans une vidéo. Et je ne sais plus laquelle, mais vous allez pouvoir retrouver ça si vous fouillez un peu ou si vous avez eu l'occasion de suivre les vidéos de M. Duneuf. Sachez qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un grand phénomène de pollution qui est dû au fait qu'on utilise beaucoup d'électricité. 100% de l'électricité est utilisée par des moteurs électriques. Ce qui veut dire que si l'on réduit l'importance, donc si on réduit l'utilisation du courant électrique sur les moteurs électriques, eh bien, on va pouvoir, si on réduit la quantité d'électricité sur un grand nombre de moteurs qui existent sur la planète, on va pouvoir faire chuter la consommation électrique. Et si on fait chuter la consommation électrique, on aura moins de pollution. Est-ce que vous saisissez la différence? Aujourd'hui, les centrales électriques sont obligées d'avoir toujours plus d'électricité parce qu'on consomme toujours plus, toujours plus, toujours plus. On a toujours plus de moteurs, on a toujours plus de moteurs électriques. Et quand on a toujours plus de moteurs électriques, eh bien, il faudrait réduire la consommation électrique de ces moteurs pour pouvoir dire que, comme on en utilise plus, ben, il faut réduire pour éviter qu'on pollue encore plus la nature. Et ça, c'est vraiment un phénomène qui nous concerne toutes et tous. Parce qu'aujourd'hui, l'écologie, on n'y fait peut-être pas tellement attention, mais demain, ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui vont pâtir de ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, dans certains pays, la classe d'efficacité énergétique des moteurs est déjà interdite. On ne peut plus créer des moteurs qui ont la classe d'efficacité énergique IE1, IE2, notamment en Europe. Depuis plus de 60 ans, il n'y a pas eu de changement de modernisation des moteurs électriques. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une évolution et je dirais même une révolution technologique qui va faire que, en fait, il va falloir s'adapter. Et la plupart des gens qui sont aujourd'hui dans les moteurs électriques vont vous dire qu'ils ne connaissent pas les bobinages combinés de type flagrant. Mais dans 5 ans ou dans 10 ans, on va vous dire qu'on ne connaît plus rien d'autre. Et dans ce cas-là, vous, eh bien, dans ce domaine-là, eh bien, vous serez les grands gagnants. Parce que vous allez rouler peut-être à un carrefour, vous allez vous arrêter à un feu, et vous allez voir qu'à côté de vous, il y a une moto électrique. Et que cette moto électrique, elle dispose d'un moteur de chez Duneuf, qui va peut-être se reconnaître d'ici là. À ce moment-là, vous direz, « Ah, moi, j'ai un jour eu la proposition d'investir dans ce projet. J'y suis allé, j'ai investi. » Et aujourd'hui, j'ai une petite part de ce moteur qui est en train de circuler à côté de moi. Vous voyez l'intérêt de pouvoir investir dans un tel projet? C'est vraiment incroyable. Il faut aussi savoir que 80% des moteurs sont usagés aujourd'hui sur la planète. On ne peut pas dire qu'on va tous les remplacer, hein. Mais il faut savoir que le parc de moteurs électriques n'est pas en si bonne forme. Donc, ce qui veut dire que ces moteurs électriques qui sont anciens consomment aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électricité. Ils ne sont même pas aux normes actuelles. Donc, ce qui veut dire que non seulement ils ne sont pas aux normes actuelles, mais en plus, on va leur proposer d'avoir 40% d'économie d'énergie sur une énergie qui est déjà très énergivore. Ça prend plus pour la queue. Mais voilà ce qui fait que, en fait, c'est très intéressant de pouvoir investir dans ce domaine. Parce que c'est un domaine d'avenir. Parce que quand on sait qu'il y a 80% des moteurs et qu'il y en a 82,5 milliards sur Terre, ben, je suis désolé, mais c'est un marché. C'est un marché tellement énorme que les gens ne se rendent même pas compte. Et alors, vous avez des gens qui viennent parfois s'inscrire sur notre plateforme et qui ne font rien et qui n'ont pas compris qu'en fait, c'est un marché d'avenir dans lequel on leur a proposé de mettre quelques petits francs. Quelques petits dollars, quelques petits euros. Alors, je dis quelques petits, parce que, en fait, c'est un financement participatif populaire
et que bien évidemment, on peut s'acheter des parts pour pas grand-chose. Tout est relatif, bien sûr, quand on dit pas grand-chose. C'est sûr que celui qui n'a pas grand-chose, il va trouver sa chair. Mais celui qui a un peu la vision, il va pouvoir se rendre compte qu'effectivement, en faisant un petit effort d'investissement, eh bien, c'est comme si vous vouliez investir dans un terrain ou dans l'immobilier et que vous trouvez que c'est trop cher pour vous. Mais à un moment donné, vous allez peut-être faire des économies, vous allez peut-être investir dans un terrain ou dans un immeuble ou dans une maison. Parce que finalement, ben, vous aurez trouvé l'argent pour le faire et que petit à petit, vous aurez peut-être économisé pendant des années. Mais en tout cas, vous essayez de faire fructifier votre argent que vous avez eu l'occasion d'économiser depuis un certain temps. Là, c'est pareil. L'investissement que vous allez faire peut vous servir à vous, mais surtout à vos enfants et vos petits-enfants, parce qu'ils en auront besoin d'avoir, dans un monde qui évolue toujours à ne vouloir rien faire, aujourd'hui, les enfants ne voudront de moins en moins faire quoi que ce soit et surtout gagner beaucoup d'argent. Et est-ce que vous y avez déjà pensé? Est-ce que vous avez déjà vu comment réagissent aujourd'hui les enfants qui veulent tout et n'importe quoi à tout moment et que, en fait, ils ne se préoccupent pas de savoir si vous avez l'argent ou pas? Eh bien, peut-être que ce sera l'occasion dans quelques années de pouvoir leur offrir tout ce qu'ils ont peut-être envie ou en grande partie. Voyez? Alors, où sont tous ces moteurs électriques? Parce que c'est bien gentil, on dit des moteurs électriques, il y en a 82,5 milliards, mais ils sont où? Ben, ils sont tout autour de nous. Ils sont tout autour de nous. Si vous avez, par exemple, comme moi, un brasseur au-dessus de votre tête, et là, on ne le voit pas dans l'image, hein, mais il est au-dessus, eh bien, dans ces cas-là, vous avez forcément un moteur électrique. Et si vous avez un article qui est posé sur le tapis de caisse de la caissière quand vous allez au supermarché, eh bien, c'est encore un moteur électrique qui fait avancer le tapis de caisse, tout comme tapis roulant qui emmène votre valise dans l'avion. Et quand vous arrivez à l'aéroport, ben, vous posez votre valise et il s'en va dans l'avion sur un tapis roulant. Mais là aussi, il y a un moteur, bien sûr. Et comme vous avez plusieurs guichets pour déposer vos bagages, il y a plusieurs moteurs. L'autre jour, on était avec mon assistante Barbara, nous étions dans une grande surface en Côte d'Ivoire. Et lorsque nous étions assis dans le hall pour déguster un petit mets, eh bien, nous avons levé la tête et il y avait un ventilateur qui était là, des grosses boules comme ça, qui ramenaient de l'air dans le hall. Et quand on a commencé à les compter, il y en avait minimum 30. 30 gros moteurs comme ça. Donc, vous voyez que finalement, ces gros moteurs, ça sert à quelque chose. Dans un moment, il y avait déjà au moins 30 ventilateurs, sans parler de ceux qui sont cachés et qu'on n'a pas vus. Donc, en fait, tout autour de nous, il y a des milliers de moteurs et vous ne les voyez pas. Il y en a également dans le domaine de la radiodiffusion. Mais la radiodiffusion et la télévision, mais ils ne sont pas dans les téléviseurs, je précise. Et les ventilateurs sont dans les centres qui vous redistribuent justement le son et l'image. Et ces centres sont ventilés. Donc, c'est un peu comme les data centers, que vous connaissez sans doute mieux. Ce sont des centres où sont stockées vos données. Et dans ces data centers, eh bien, on utilise des ventilateurs pour brasser l'air chaud vers l'extérieur. Un peu comme votre ordinateur qui chasse l'air chaud vers l'extérieur. Là aussi, encore une fois, un moteur. Et dans ces data centers, ce sont, pareil, d'énormes ventilateurs qui brassent l'air parce que cet air est très chaud et qu'il faut que ces pièces soient ventilées pour dégager cette chaleur importante qui est émise par les appareils. Voilà pourquoi on a besoin de moteurs électriques. Et si vous tenez une perceuse à la main, messieurs, ou une meuleuse d'angle, ou une scie circulaire, ou que sais-je comme autre outil à main électrique, messieurs, à la maison, les dames aussi, hein, peuvent faire du bricolage, eh bien, vous tenez un moteur électrique à 5 points à la main. Et si vous habitez au Bénin, vous avez peut-être connaissance que, malgré ce que j'ai raconté il y a un an en arrière, en disant que les moteurs électriques arrivaient, qu'on me riait au nez, eh bien, aujourd'hui, il y a déjà des centaines de motos électriques dans les rues de Cotonou et du Bénin aussi, voilà, et que ces motos sont électriques et que donc on va vers une nouvelle ère de transport
qui fait que beaucoup de gens vont commencer à utiliser des véhicules électriques et que ces véhicules électriques vont être de plus en plus répandus sur la planète et plus en plus de gens vont les acheter. Et comme ça, au fur et à mesure, eh bien, vous aurez encore des moteurs électriques qui vont vous entourer. Et cette fois-ci, ils seront dans la rue. Alors voilà, donc vous en avez un peu partout. Alors, je ne veux pas citer tous les exemples qui sont sur ce slide, mais vous pouvez regarder par vous-même et vous rendre compte qu'effectivement, ces moteurs électriques sont vraiment partout. Donc, voilà donc un intérêt pour investir dans ce projet. Je vous laisse tout de suite avec une petite vidéo. Alors, je reviens un petit peu en arrière, deux secondes, pardon. Je vous laisse avec une petite vidéo d'Alexandre Soudarev. Alors, Alexandre Soudarev, c'est le représentant de la société Sevelmash au niveau de la communication. D'accord ? C'est lui qui communique et c'est lui qui nous montre ce que fait la société. Parfois, on ne comprend pas très bien ce qu'elle développe, cette société Sevelmash, parce que je vous ai expliqué un peu tout à l'heure, mais c'est encore un peu flou. Ils font quoi ? Ils fabriquent des moteurs ? Non, ils ne fabriquent pas des moteurs. Ils créent des moteurs. Ce n'est pas la même chose. En fait, je répète, pour ceux qui sont venus un petit peu en retard, que la société Sevelmash, elle va créer des moteurs tels un architecte va dessiner la maison. Ce n'est pas l'architecte qui va poser les briques pour monter la maison. C'est le maçon. Donc là, c'est pareil. C'est Duyunov qui va créer le moteur et c'est le fabricant de moteurs qui va créer les moteurs en les fabriquant dans son usine. D'accord ? Donc voilà l'occasion eh bien, de voir comment ça fonctionne. Je vous montre une petite vidéo. Elle vous explique quels sont les développements de la société. Qu'est-ce qu'elle a déjà créé, cette société Sevelmash ? Parce qu'elle existe depuis 2017 et donc ils ne se sont pas tournés les pouces depuis 2017. Ils ont forcément créé quelque chose et je voudrais vous montrer un petit peu tout ce qui s'est déjà fait. Il y a déjà quelques 25 produits qui ont été fabriqués, créés de telle manière à les proposer à des industriels derrière pour pouvoir les créer par eux-mêmes. Je vous retrouve dans quelques instants, juste après cette courte vidéo. La société Sevelmash a été créée en 2017. Pourtant, la technologie dont le développement est réalisé par notre société existe depuis 1995. C'est en 1995 que Dmitri Duyunov, développeur de la technologie des bobinages combinés Slavenka, a créé le premier moteur à bobinage combiné. En outre, il est devenu le premier à pouvoir adapter et appliquer la technologie des bobinages combinés à différentes dimensions de moteur. Cependant, avant cela, cette technologie était déjà connue. Il y avait des ingénieurs qui ont pu créer des prototypes de moteurs développés pour des dimensions spécifiques et pour une carcasse spécifique. Cependant, Dmitri Duyunov a réussi à créer des circuits électromagnétiques qui nous permettent à présent d'appliquer ces technologies à des moteurs complètement différents. Par exemple, derrière mon dos, vous pouvez voir une énorme quantité de matériel qui ont déjà été développés et créés. Voici un exemple. Vous voyez un modèle de molette. Ce treuil a environ 8 modifications. Grâce à ce treuil, il sera possible d'actionner des ascenseurs ou des montes-charges, des ascenseurs médicaux et en général tous les mécanismes de levage. Selon les besoins du client, nous pourrons ajouter différentes caractéristiques à ce treuil. Je vous rappelle que nous sommes développeurs, donc changer tel ou tel paramètre ne sera pas très difficile pour nous. Ce treuil sera également équipé de freins modernes, similaires à ceux qui sont proposés par la société Otis. Pourtant, Sevelmash ne serait pas Sevelmash si nous ne parlions pas de substitution des importations. En fait, nous sommes engagés dans la mise en œuvre d'une technologie de développement avancée. Nous essayons de mettre sur le marché des produits qui seront nettement supérieurs à tous ceux qui existent déjà, en termes de qualité de consommation électrique et de propriétés techniques. Ce treuil d'ascenseur en est la preuve d'ailleurs. En plus de ce treuil, il y a aussi des outils à main électrique, des appareils ménagers, des tondeuses à gazon, des scies à onglets, des meuleuses d'angle que vous avez pu voir sur notre stand. Ce sont tous des prototypes qui sont testés dans notre laboratoire de haute précision. Mais ils sont tous équipés d'un élément commun. Il s'agit d'un système d'entraînement intégré qui est également développé par nos ingénieurs. C'est maintenant que la société a commencé ce pourquoi elle avait été créée.
Actuellement, la société Sobelmash est engagée dans le développement et la production de machines asynchrones rotatives électriques, créées en utilisant la technologie des bobinages combinés Sri Lanka. Qu'est-ce que ça signifie? La construction d'un bureau technologique d'études et d'ingénierie sur le territoire de la zone économique spéciale Technopolis Moscou est en cours. Ce site a une superficie de 17 000 m². Nous y mettrons en œuvre le développement d'un produit final, le développement de la technologie de production, la création de lignes de production automatisées de nouvelle génération. Ce seront des lignes robotisées, compactes et capables de changer rapidement les dimensions des moteurs qui y seront produits. Des équipements seront également créés pour produire nos propres systèmes de contrôle, notamment des contrôleurs, avec leurs principes logarithmiques et le logiciel spécialement écrit par nos programmeurs. Ensuite, tout cela sera mis en production, c'est-à-dire qu'une ligne de production prête à l'emploi sera installée en lot de moteurs et sera produite. Ensuite, nous passerons des procédures de bonne réception, selon les résultats desquelles le client nous dira s'il est satisfait ou non. Je vous rappelle que chaque moteur est créé strictement selon la demande du client. Et puis, nous commencerons la construction d'une usine qui sera également développée selon notre projet et en fait selon le principe du bâtiment que nous construisons actuellement pour nous-mêmes. Par conséquent, le client obtient une usine, des lignes de production, des opérateurs formés qui peuvent démarrer la production de façon schématisée juste en appuyant sur un bouton. Et cela dans les quantités dont le client a besoin. Ce reportage a été tourné par une télévision russe qui s'appelle le Mille Presse et dont vous avez ici là l'emblème à l'écran. Donc, ce reportage a été tourné l'année dernière. Il date donc déjà un peu. Entre-temps, il y a eu beaucoup d'évolutions, notamment dans la construction du bâtiment. Et aujourd'hui, nous pouvons dire très sincèrement que les choses avancent et que nous avons donc des possibilités pour que cette société Sobelmash puisse se montrer efficace pour la réalisation des projets dont il a parlé. Alors, les moteurs en question dont on voulait vous parler, ça, ce sont des moteurs qui sont fabriqués ici par M. Arestov en Chine. Alors, pourquoi en Chine? Eh bien, M. Arestov, en fait, est un partenaire, un peu quelqu'un qui, un peu que si vous, vous étiez intéressé par les moteurs, vous êtes ingénieur, et vous dites, bon, ben voilà, ça, cette technologie m'intéresse. Moi, je veux créer avec des amis, partenaires à moi, ce sont des amis, ils font des moteurs. Je veux créer mes propres moteurs. C'est ce qu'a fait M. Arestov. Il a pris des moteurs existants sur le marché chinois et il a commencé à modifier ses carcasses en faisant à l'intérieur des bobinages de type Sri Lanka. Donc, c'est un peu comme s'il avait sorti le bobinage existant de ces fameux moteurs et qu'il a mis celui de Duyunov dedans. Vous voyez la différence? La différence entre créer un moteur de A à Z, c'est-à-dire avec toutes les caractéristiques et avec les dimensions que M. Duyunov pourrait être amené à réaliser. Là, ce ne sont pas des moteurs dont la carcasse a été, programmé ou fondu de telle façon, mais on a utilisé des carcasses déjà existantes de moteurs traditionnels de cette dimension-là et on a fait à l'intérieur un bobinage de type Sri Lanka. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il y a aussi un autre phénomène, je dirais. Ce phénomène, c'est que en réalité, les moteurs existants aujourd'hui sont transformables en moteur ayant des caractéristiques de chez Duyunov. Ce qui veut dire que le parc de moteurs existants dont je parlais tout à l'heure et qui sont vieillissants, on n'est pas forcément obligé de les remplacer, de les changer, mais on peut aussi les réparer. Et on peut les réparer de façon Sri Lanka, de telle manière à ce que les moteurs qui avant étaient peut-être un peu fatigués, eh bien, puissent avoir une nouvelle jeunesse et puissent fonctionner encore mieux qu'auparavant. Avec des caractéristiques bien meilleures que celles qui étaient déjà programmées auparavant sur des moteurs classiques. Monsieur Arestov a donc commencé à créer des types de moteurs entre 3 kW et 15 kW que vous voyez ici à l'écran. Et si vous êtes intéressé par acheter ces moteurs, ils existent depuis plusieurs années déjà. Et ces moteurs, vous pouvez les commander sur as-pp.asia. Vous pouvez contacter monsieur Arestov directement. Il a son numéro de téléphone sur le site. Et vous pouvez commander auprès de lui
des moteurs dont vous pourriez avoir besoin pour faire tourner votre moulin, pour faire tourner votre moto, votre tricycle, etc. Maintenant, il n'est pas le seul à faire ce genre de choses, c'est que nous avons, lui, il crée les moteurs, mais si vous voulez transformer votre véhicule électrique, nous avons un autre monsieur qui, lui, fabrique des kits qui, avec ces moteurs-là. Donc, lui, il utilise, l'autre monsieur s'appelle André Leboeuf, je vais vous le montrer dans un instant. Et André Leboeuf, lui, il crée des kits avec ces moteurs de chez Aristov, et lesquels kits il peut vous vendre pour que vous puissiez transformer votre véhicule à essence ou diesel en véhicule électrique. Donc, tout ça, c'est très intéressant dans la mesure où, aujourd'hui, nous avons un marché qui s'ouvre, le marché des moteurs électriques dans les rues, avec des véhicules qui sont susceptibles de pouvoir fonctionner avec ce type de moteur. Bien sûr, la valeur, la puissance des moteurs n'est pas très élevée, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se tourne vers des petites camionnettes, on se tourne vers petits véhicules style tricycle, voilà, c'est ce genre de véhicule, ou des motos, bien sûr, ou des remorqueurs, ou des kartings, ou des quads, voilà, des choses qui sont un peu plus légères. Maintenant, il faut savoir aussi que dans tout l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest francophone, et y compris Haïti qui se trouve dans les Caraïbes, eh bien, nous avons possibilité de montrer que les moteurs électriques sont susceptibles d'être utilisés à grande échelle. Vous le savez certainement que chez vous, dans vos pays, il y a beaucoup de soleil. Et ce soleil est susceptible de vous apporter de l'énergie qui peut faire fonctionner les moteurs électriques sans que vous n'ayez besoin de mettre de carburant dans votre véhicule. Grâce à cela, si vous avez un panneau électrique, un panneau solaire sur le toit de votre véhicule, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement recharger une batterie qui va vous permettre de rouler gratuitement grâce à l'énergie du soleil. Tout ça, ça a été testé notamment avec un véhicule tricycle Bajaj Maxima qui a participé à une course au Kazakhstan et qui a parcouru quelques 3000 km pour pouvoir démontrer que l'on pouvait rouler avec un panneau solaire et un moteur de chez Tuunov. Bien sûr, le moteur n'a aucun problème. Il y avait juste par moment pas de soleil du tout et ça n'avait pas chargé. Mais vous savez que chez nous, nous avons quand même l'alternative d'avoir une prise de courant et vous avez la possibilité également d'avoir des panneaux solaires en complément. Donc, ce qui veut dire qu'en quelque sorte, vous avez les deux possibilités et donc, dans vos pays, vous avez possibilité aujourd'hui déjà, en commandant les moteurs et en commandant les kits, de pouvoir avoir des véhicules solaires qui font que vous n'aurez plus besoin de dépenser de l'argent dans l'essence et dans le diesel. C'est une opportunité à saisir. Et quand on me dit que c'est encore utopique et que ce n'est pas forcément vrai, eh bien, c'est comme l'histoire des motos au Bénin qui, soi-disant, n'allaient jamais arriver et qui, aujourd'hui, envahissent les rues. Donc, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, si vous avez la moindre connaissance dans ce domaine et un petit peu de vision, peut-être aussi un peu de moyens, eh bien, vous pouvez vous lancer dans un marché gigantesque qui peut-être pourra vous amener à voir les grandes industries de votre pays. Ce n'est pas négligeable, mais ça, c'est peut-être réservé à une certaine élite de gens qui ont une certaine vision et qui voient les choses. Ceci dit, ce n'est pas impossible parce que des gens qui importent des conteneurs de véhicules et de moteurs, il y en a plein. Regardez, par exemple, dans la plupart des pays africains ici, il n'y a aucune industrie de véhicules, c'est importé. Il n'y a pas de moto, c'est importé. Il n'y a pas de tricycle, c'est importé. Il n'y a pas de pousse-pousse, c'est importé. Bref, tout est importé. Donc, pourquoi est-ce que ce type de véhicule ne serait pas importé? N'est-ce pas? Voilà un petit peu un exemple de ce que vous pourriez être amené à acheter dans les prochains temps. Sachez que, par exemple, au Bénin, vous avez la possibilité d'acheter et vous ne payez plus ni de TVA, ni de taxes de douane sur tout ce qui est véhicule hybride et électrique. C'est depuis l'année dernière, hein, c'est une loi de finances hein, de l'année dernière. Donc voilà. Aussi, la Côte d'Ivoire avait promis de ne plus importer de véhicules à essence type tricycle, mais que des véhicules électriques. Donc là aussi, il y a des volontés de certains pays de
participer à ce qu'on appelle l'écologie. Et il y a la conscience de chacun qui peut faire qu'aujourd'hui, vous ayez envie de parler et de voir l'écologie. Alors, je sais bien qu'en Afrique, ce n'est pas vraiment ça. On n'a pas vraiment envie de parler d'écologie. On le voit d'ailleurs en mettant le nez dehors. On voit qu'il n'y a pas vraiment de volonté de la part de certains de faire des efforts pour l'écologie. Par contre, quand vous allez à une conférence internationale, comme nous avons l'habitude d'y aller à Moscou, eh bien, la plupart des gens parlent d'écologie. Que ce soit l'Allemagne, l'Asie, le Vietnam, l'Indonésie, tous ces gens-là, ils parlent tous d'écologie. Tous ces gens parlent d'écologie. Il n'y a que nous qui venons un peu fanfaronner et on ne parle pas vraiment d'écologie. Mais eux ne font que parler d'écologie, en fait. Eux, c'est leur credo, hein, c'est leur façon de voir. Donc voilà, essayez de voir aussi vous, parce qu'un beau jour, il faut bien sauver la planète. Et si on veut sauver la planète, eh bien, il faut se pencher sur le côté écologique, même si c'est un peu rase-meute pour vous aujourd'hui. Ici, je montre ce monsieur Aristophe, il s'appelle Victor. Et il est dirigeant d'une société qui s'appelle ASCPP. Ah, c'est ASCPP de tout à l'heure? Non, ce n'est pas la même, parce que souvent on confond. Alors, il y a ASCPP qui se trouve en Russie, qui est dirigé par M. Dmitri Lulinov. Et il y a son ami Victor Arestov, et ils se connaissent depuis de nombreuses années. Et Victor Arestov, lui, il a créé également ASCPP, mais en Chine. Et lui, ça s'appelle ASCPP Weihai Technology. Et c'est situé, donc, ben, vous l'avez deviné, à Weihai, dans le nord de la Chine. Et là, vous avez des exemples de ce qu'il a créé avec des partenaires chinois, notamment la moto KF Racer qui se trouve là juste à côté de lui et qui est une moto qui est fabriquée aujourd'hui en série en Chine grâce à ce partenariat qu'il a créé avec ces motos. Nous avons vu très récemment des images de la direction de Solar Group qui a été en Chine et qui a visité une nouvelle ligne de production d'un fabricant automobile qui s'appelle Bao, BAW. Et ce Bao eh bien, a été visité et on a montré que M. Arestov va bientôt s'intéresser à faire un partenariat avec eux pour se produire des camionnettes, des petites camionnettes qui vont permettre de transporter de la marchandise. Et ces quelques camionnettes eh bien, seront équipé de moteurs de chez Lunov. Voilà un exemple encore de ce qui se fait en Chine. Les véhicules que vous voyez là sont en vente aujourd'hui par Monsieur Arestov. Il a fait d'ailleurs un partenariat pour des bateaux l'année dernière. Il a fait la moto rouge en roche, c'est la Liberty de chez Denzel également, la marque Denzel. Et tous ces engins sont en vente sur son site et vous pouvez les acheter, les importer parce que vous importez déjà autre chose. Donc forcément, vous pourriez être amené à importer également ce type de véhicule. Voilà, c'est ce que je peux vous dire par rapport à Monsieur Arestov. Ici, nous avons Andrei Lobov, je vous en ai parlé tout à l'heure. Lui, il crée des kits. Alors, vous voyez, le Bajaj Maxima, c'est celui qui a participé notamment à la course Solar Race 2023, qui a eu lieu au Kazakhstan et qui a parcouru ces fameux 3 000 km. Donc, ce petit véhicule qui fait 7 kilos a participé à la course. Alors, il n'est pas arrivé premier hein, parce qu'il est lourd, mais il a eu des performances et surtout, on a eu l'occasion de tester le moteur sur une distance très longue et avec tous les inconvénients qu'il pouvait y avoir autour du moteur, mais le moteur n'a jamais eu de problème en lui-même. Voilà donc, c'est ce qu'on peut retenir de cette super balade de 2 700 ou 3 000 km qu'a réalisé ce tricycle. D'autres véhicules sont notamment testés et Monsieur Lobov a été récemment sur une île, je crois, du côté de la Thaïlande, et il a eu l'occasion de tester les bateaux, les moteurs de bateaux. Il a testé d'ailleurs ces moteurs de bateaux dans d'autres pays, en Inde notamment. Et on voit ici une image en bas où le bateau est équipé d'un moteur DA100S de type Sri Lanka. Et si vous n'avez jamais eu l'occasion de venir dans les locaux du nouveau bureau de Abidjan, en Côte d'Ivoire, eh bien sachez qu'il y a un moteur de bateau en démonstration, un moteur justement fabriqué par Monsieur Arestov en Chine et qui est un moteur fabriqué en série. Voilà. Et là, vous voyez en bas à droite sur les images un petit bonhomme avec un casque rouge qui essaye un karting, c'est moi. Je l'ai essayé l'année dernière au mois de février, donc dans la ville de Adler, qui est une ville russe.
avec des montagnes et également de la neige. Mais il n'y avait pas de neige hein, sur la piste de karting, je précise, parce que c'est un karting couvert à l'intérieur, un étage d'un bâtiment. Et là, j'ai eu l'occasion eh bien, de tester ce karting. D'ailleurs, Barbara aussi, et puis toute l'équipe de Solar Group a eu l'occasion de tester ce karting où André Leboeuf nous avait amené pour voir. Vous voyez que vous pouvez également transformer un tricycle, ces fameux tricycles qui existent chez vous. Eh bien, André Leboeuf est susceptible de vous vendre un kit qui va vous permettre de transformer votre tricycle en un tricycle électrique. Maintenant, venons un petit peu sur la feuille de route. Venons un petit peu sur le projet qu'on vous propose. Venons un peu sur comment s'est déroulé et où va-t-on. Et qu'est-ce qu'on gagne? Donc, alors, la première des choses, c'est que la société Solar Group a connu Monsieur Duhunoff en 2017. Ils se sont donc associés en quelque sorte. Et ont lancé le financement participatif populaire qui est en route en ce moment et qui est aujourd'hui à l'étape 18 sur 20. C'est-à-dire que le programme en lui-même a été divisé en 20 étapes et aujourd'hui nous sommes à l'étape 18. Il reste donc deux étapes et je vous ai dit tout à l'heure, sur les 70 millions de dollars qui étaient prévus, aujourd'hui nous en avons déjà récolté plus de 62 millions. Et que dans ce cadre, il nous reste un peu moins de 8 millions aujourd'hui à récolter, 7 millions 900 et quelques. Et dans ce programme actuel, eh bien, on est intéressé à qu'il y ait le plus rapidement possible tous ces fonds qui rentrent pour que le bâtiment que nous sommes en train d'achever, eh bien, s'achève réellement et qu'on puisse le faire vérifier, le faire contrôler par les autorités de la zone économique spéciale, de la zone franche, des autorités russes, pour qu'ils puissent donner le feu vert et que ce bâtiment puisse commencer à produire des moteurs pour des clients, les premiers clients de Monsieur Duhunoff qui vont pouvoir se bousculer très certainement pour aller sur place et demander une création de moteurs parce que c'est quelque chose qui va être en forte demande dans les prochaines années. Comment ça s'est déroulé? Ben, en début, en 2017, on a commencé le programme. En 2018, on a fait une préparation des documents qui ont permis d'aboutir un permis de construire. On a obtenu, bien sûr, le terrain dans un premier temps. On a fait des papiers pour l'avoir, ce terrain. Ça a duré longtemps, un an. Et ensuite, en 2020, on a commencé enfin la construction après avoir obtenu le permis de construire en octobre 2020. On avait déjà commencé un petit peu à défricher le terrain sur place, parce qu'au début, il n'y avait que des arbres. D'ailleurs, à ce moment-là, et souvent dans certains groupes WhatsApp ou autres, il y a la partie de nos leaders qui se rappellent de ce moment où il n'y avait que des arbres sur le terrain et il n'y avait rien d'autre, ou alors où il n'y avait qu'un tas de terre. Et aujourd'hui, nous avons un bâtiment qui fait 17 000 mètres carrés et ce n'est pas rien. Donc, on est arrivé quand même à quelque chose au bout de quelques années, avec beaucoup d'efforts et surtout beaucoup de persévérance et d'attente et de patience. Parce que on a besoin de patience aussi quand on investit dans un tel projet. C'est comme le cacao, hein, on était récemment en Côte d'Ivoire avec Barbara et on disait aux gens, ben, vous voyez, le cacao qui pousse chez vous, ce n'est pas en 2 minutes hein, qu'il va produire du cacao. Il faut entre 3 et 5 ans, nous avons dit. Et entre 3 et 5 ans, ben, forcément, vous avez des attentes, de la patience à avoir pour que cela se déroule comme ça. Donc, je précise que c'est vraiment très important pour vous d'avoir la patience de voir évoluer ce projet. Et que, bien évidemment, ça va finir par aboutir, parce que c'est la garantie qu'on vous donnait par le biais du fait qu'on ait obtenu un dans une zone franche. Et puis, en 2021, on a fini par faire les fondations. En 2022, on a fini le pourtour du bâtiment. On a fini ce qu'on appelle le contour thermique. Donc, on a fermé le bâtiment, hein, parce qu'au début, il n'y avait que les poteaux en acier. Et maintenant, c'est fermé. Et ça, c'est depuis 2022. Et maintenant, en 2023, ben, on fait les finitions. Et puis surtout, on a beaucoup de travail à l'extérieur parce qu'il faut faire ce qu'on appelle viabiliser le terrain. Ça veut dire quoi, viabiliser le terrain? Ça veut dire qu'il faut ramener l'eau, l'électricité, Internet. Il faut ramener dans l'autre sens les eaux usées. Il faut les évacuer, bien sûr. Il y a les eaux de pluie aussi. Et tout ça, ben, voilà, tout ça, c'est un travail qui s'appelle la viabilisation. Et cette viabilisation, elle demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonds. Pourquoi? Ben parce que creuser avec des pelleteuses,
planter des fosses septiques dans le sol, y mettre des tuyaux avec du béton, etc. Tout ça, c'est gigantesque, c'est titanesque comme travail, et ça demande donc beaucoup de moyens pour pouvoir achever les connexions dont le bâtiment a besoin. 17 000 mètres carrés, je vous rappelle, c'est pas rien. Donc, d'ici la fin de cette année 2023, et des fois, il y en a qui disaient, c'est quand qu'on va avoir la fin de la construction? Ben, à la fin de cette année. Voilà, on ne donne pas trop de dates pour l'instant parce que, vous savez, on ne peut jamais vraiment dire quand est-ce qu'on a fini. On a toujours peut-être encore des coups de peinture à donner ou des choses à fignoler. Donc, on va peut-être dire que d'ici la fin de l'année, en gros, eh bien, ce bâtiment sera terminé. Et là, on va à ce moment-là pouvoir vous montrer de plus en plus ce qu'on vous montre d'ailleurs déjà à travers des vidéos. Et c'est important. Maintenant, je voudrais vous parler de deux étapes qui sont de 20 étapes et que nous sommes à l'étape 18 du projet. À l'étape du projet, en fait, il faut comprendre c'est quoi les étapes. Les étapes, chaque fois qu'on change d'étape, vous allez avoir un tarif de part qui va augmenter. Oui, ça devient plus cher. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a de moins en moins de risques, en fait. Donc, parce que vous voyez que quand le projet avance, en quelque sorte, eh bien, moins de risques. Et à un moment donné, on bascule d'une étape à l'autre. Quand un certain nombre de choses sont terminées ou quand il y a une certaine quantité d'argent qui est rentrée, on passe à une autre étape. Et quand on passe à une autre étape, eh bien, en fait, le prix augmente. Donc, vous aurez moins de parts pour le même prix. Je vais au même, hein. Donc, en fait, à l'étape 18 où nous sommes, on vous encourage particulièrement à investir de l'argent pour que vous puissiez maintenir le prix de cette étape 18. En ce moment, nous avons une grande promotion en cours qui permet à tout un chacun de reprendre le pack qu'il a arrêté, par exemple à l'étape 7 ou 8 ou 9, et que vous pouvez reprendre juste en faisant ce qu'on appelle un upgrade, c'est-à-dire en augmentant le pack que vous avez acheté. Et là, ça vous permet de revenir en arrière pour ceux qui avaient déjà commencé à investir à cette époque-là et qui n'étaient peut-être pas au courant de cette promotion, eh bien, faites-le vite parce que cela ne va pas durer que quelques jours supplémentaires encore au mois d'août. Voilà donc pour ce changement d'étape et ce que cela engendre. Alors, on nous pose souvent la question si une part sera égale à une action. Pourquoi action? Pourquoi part? Eh bien, en fait, les parts sociales, c'est ce que l'on donne dans une société à responsabilité limitée, une SARL. Et mes actions, c'est ce qu'on obtient lorsqu'on va sur le marché boursier. Et pour aller sur le marché boursier, on doit être une société anonyme, une SA. Et là, nous sommes en SARL. La société Sauvelmash est une SARL. Bientôt, elle fera ce qu'on appelle une capitalisation. Et lorsqu'elle va faire la capitalisation, eh bien, elle va donner une valeur à tout ce qu'elle a. Le bâtiment, les brevets, le terrain, bref, tout ça va permettre d'avoir une valeur qui va représenter une valeur pour chaque action qui va rentrer en bourse. Peut-être qu'à l'avenir, nous aurons pas une part égale une action, mais 10 parts égale une action. Mais le montant sera, lui, par exemple, de 10 dollars à ce moment-là, ce qui revient exactement au même. Parce que, en fait, si vous avez l'équivalent de 10 parts à 1 dollar dans une action et qu'une action vous doit 10 dollars, ça pourrait être très intéressant. Maintenant, on n'a pas dit que ce sera exactement ça. On a dit que ça pourrait être ça. D'accord? Pour l'instant, on en reste à une part égale une action. Et on verra lors de l'enregistrement de ces parts et de ces actions de quelle façon la société Sauvelmash va envisager d'entrer en bourse. D'accord? Donc, c'est un peu trop tôt pour parler de bourse. C'est un peu trop tôt parce que des fois, il y a des gens qui veulent mettre la charrue avant les bœufs et ils nous demandent tous les jours, c'est quand qu'on rentre en bourse. Un peu comme s'ils voulaient faire un coup. Voilà, c'est comme s'ils voulaient faire un casse un jour et ils demandent, c'est quand que l'argent arrive à la banque. Bon, voilà, c'est un peu ça. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment le but. Ce n'est pas vraiment le but. Beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Beaucoup de gens ont pensé que le seul moyen de récupérer beaucoup d'argent, c'est de revendre les actions en bourse. Ce n'est pas vraiment l'intérêt. L'intérêt unique de revendre les actions, c'est d'aller en bourse
où l'intérêt unique de la bourse, c'est de revendre des actifs. Auparavant, vous ne pouvez pas les revendre, sauf à un moment donné, vous allez pouvoir revendre ce qu'on appelle les parts sociales. Et ces parts sociales, ça représente quelque chose que vous allez pouvoir faire à la bourse interne lorsque l'étape 20 sera terminée. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire concurrence à ce qui se vend sur le site. Et avant que les 70 millions de dollars ne soient levés, on ne peut pas imaginer qu'il puisse y avoir un échange entre des investisseurs qui n'auront pas eu le temps d'acquérir un certain nombre de parts et qui vont vite se précipiter à les racheter à quelqu'un d'autre. Ou ceux qui vont vouloir vendre et qui seront intéressés à récupérer des miettes. Oui, souvent, hein, des miettes. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, ben, on ne récupère pas de l'argent comme ça en revendant des parts à un prix légèrement supérieur à ce que cela a été les autres les fois précédentes. D'accord. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que vous les avez achetés, par exemple, à l'étape 12 et vous voulez les revendre au prix de l'étape 20. Donc, la différence de prix, certes, il y en a une, mais elle est assez minime. Donc, en fait, vous n'allez gagner que si vous avez des millions de parts à vendre, vous n'allez gagner que des centimes de centimes. D'accord? Et là, justement, il y a des gens qui veulent absolument vendre à la bourse interne. Souvent, c'est ceux qui n'ont pas vraiment compris le principe, encore une fois. Un peu comme ceux qui veulent vendre à la bourse, vite, 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 je veux vendre. Acheter pour votre famille, pour vos enfants et vos petits-enfants. Et ne vendez pas. Parce que trop de gens qui veulent vendre, et en fait, ce n'est pas du tout l'idée. C'est qu'un conseil, hein, bien sûr, mais on essaie de vous expliquer ce qu'il faut faire avec ces parts. Maintenant, il y a des gens qui veulent rien en faire et qui veulent les vendre le plus vite possible. Ma foi, si vous ne voulez pas comprendre comment ça fonctionne, moi, je ne peux pas faire mieux que de vous expliquer, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient si on achète des parts dans cette société Sauvelmash? Eh bien, déjà, à la base, lorsque vous vous inscrivez sur la plateforme Solar Group, parce que c'est une plateforme en ligne, eh bien, vous allez obtenir ce que l'on appelle un contrat d'investissement. Ce contrat d'investissement, pour pouvoir l'obtenir, vous devez le signer. C'est-à-dire que, en fait, vous devez rentrer dans le back-office, dans le compte, Solar Group, et vous devez signer un document, comme ça, en cliquant. Des fois, les gens, ils demandent, c'est où le papier et le stylo? Il n'y en a plus, hein. On est en 2023, pardon. Et donc, vous signez ce document électroniquement et cela va vous relier à la société en vous préservant juridiquement à ces différents papiers. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que vous obtenez lorsque vous avez acheté? Quand vous êtes dans un magasin, vous obtenez ce qu'on appelle le ticket de caisse ou la facture. Ici, vous obtenez un document qui s'appelle un certificat de participation. Et ce certificat de participation va vous permettre là de mettre le nombre de parts que vous avez réellement achetées. Et également votre nom et votre prénom. Pour que votre nom et votre prénom se figurent sur ce document, eh bien, vous devez faire ce qu'on appelle la vérification du compte. Donc, vous devez télécharger une pièce d'identité et un document qui justifie de votre adresse postale ou de votre adresse où vous habitez. Attention, j'ai dit adresse postale, c'est pas vrai, c'est adresse où vous habitez. D'accord? Donc, parce que adresse postale, les gens n'habitent pas dans une boîte postale, par exemple. Des fois, il y en a, ils mettent BP 100, 150. C'est pas vrai, c'est pas bon. Hein, d'accord? On n'habite pas dans une boîte. D'accord? On habite dans une maison. Et la maison, on veut savoir où elle est située. Sur un terrain, sur une parcelle, sur un îlot, etc. Donc, il y a des critères en fonction du pays où vous habitez. Il y en a, c'est des rues. Il y en a, voilà, c'est plus structuré que d'autres pays, mais forcément, vous habitez quelque part. Donc, il faut que ce soit prêt. Parce qu'on ne peut pas délivrer les actions d'une société internationale au monsieur qui habite au plein milieu d'un champ et qui ne sait pas où il habite. D'accord? Donc, c'est un peu logique qu'on vous demande où vous habitez. Qu'est-ce que vous allez gagner? Parce que très souvent, c'est la question. On y gagne quoi à investir dans ce projet? Eh bien, on y gagne déjà à pouvoir revendre les actions plus chères. Donc, vous allez pouvoir les revendre parce que même si je vous ai déconseillé de le faire, eh bien, vous pouvez avoir à un moment donné avoir envie de les revendre parce que ben, vous voulez vous payer un joli, jolie maison ou un joli yacht, une jolie voiture ou une jolie moto, tout simplement. Et grâce à ça, vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle la possibilité de vendre en bourse.
vos actions qui ont pris à ce moment-là, on l'espère bien, de la valeur. Mais attention, la bourse, ça monte, mais ça peut aussi descendre. Hein. Donc, en fait, il faut des fois patienter pour que l'action, la valeur de l'action remonte, pour que vous ayez quelque chose d'un peu correct. Et puis, vous allez pouvoir également recevoir ce qu'on appelle des dividendes. Et les dividendes, c'est quoi? Eh bien, vous allez recevoir 50% des dividendes qui seront redistribués. Et ces 50% de dividendes seront redistribués à l'ensemble des personnes qui détiennent des actions. Maintenant, est-ce qu'on est obligé d'être en bourse pour pouvoir toucher des dividendes? Non. La société, après un an d'exercice comptable, va pouvoir vous reverser ce qu'on appelle des dividendes si la société a fait des bénéfices. Si elle n'a pas fait de bénéfices, ben, il n'y aura rien. D'accord? Si elle a fait des bénéfices, vous allez pouvoir percevoir des dividendes. Comment ça se passe? Eh bien, en fait, 50% du bénéfice sera affecté à autre chose, à évoluer, à faire évoluer la société, et 50% seront redistribués aux actionnaires en fonction du nombre d'actions que vous avez. Si vous avez beaucoup d'actions, vous allez avoir beaucoup de dividendes. Si vous avez juste un tout petit peu d'actions, ben là, vous allez avoir tout petit peu d'argent. Donc, il faut acheter beaucoup. Et là, les gens vont dire, oui, mais nous n'avons pas de l'argent. Bon, si vous n'avez pas de l'argent, bien, il faut trouver une solution pour en gagner. Et pour cela, Solar Group vous propose d'en gagner. Et comment? Ben ça, je vais vous l'expliquer à la fin de ce webinaire. Avant, on est dans l'investissement. Là, on veut savoir où va notre argent. Notre argent va où? Il va à 90% dans le bâtiment qui est en construction et à 10%, il va dans le développement de la technologie. Pourquoi il ne va que dans 10% dans la technologie? Parce que la technologie en elle-même est déjà au point et que, en fait, on ne fait que développer des outils, on ne fait que développer des futurs marchés sur lesquels on va pouvoir s'implanter avec ce type de moteur. Donc, c'est plutôt ça, quoi. On crée des tondeuses à gazon, on crée des meuleuses d'angle, on crée, etc. Vous voyez, beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes à distribuer à travers le monde et qui ne sont pas forcément des choses très lourdes. Tout le monde n'a pas besoin d'un moulin à la maison. Tout le monde n'a pas besoin d'une moto. Tout le monde a peut-être besoin d'une moulinex ou tout le monde a peut-être besoin d'une perceuse ou d'une meuleuse d'angle. Vous comprenez? Bon, encore tout le monde pour une meuleuse d'angle, je ne sais pas. Mais beaucoup de gens ont une perceuse à la maison. Alors, voilà un petit peu ce genre de choses qui peuvent être fabriquées grâce à ces fameux moteurs de chez Duinov. Alors, voici le bâtiment en 2021 qui a été pris en photo par la société Yandex, Yandex Maps. Et vous avez en 2022 la photo prise par Google Maps. Donc, ce sont Yandex, c'est russe, et puis Google, c'est américain. Donc, vous voyez les deux qui ont pris des photos à des moments différents. Et donc, on voit que le bâtiment, en quelque sorte, existe. Si vous êtes intéressé vous-même par faire l'expérience, tapez tout simplement « Sauvelmash » sur Google Maps et vous allez retrouver le bâtiment. Alors, attention, vous allez voir, sur Sauvelmash, vous allez avoir deux Sauvelmash. Eh bien, en fait, parce que avant que le bâtiment ne soit investi par… l'équipe de M. Duinov, auparavant, ils avaient des bureaux et des ateliers en location dans un autre bâtiment, non loin de là. Et maintenant, ils ont déménagé dans le bâtiment, donc forcément, ils ne sont plus dans l'ancien. Mais sur Google Maps, on trouve encore les bureaux qu'ils louaient avant qu'ils étaient en location, alors que maintenant, ils sont propriétaires de leur propre bâtiment. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. À présent, je voudrais vous montrer le chantier depuis 2020, parce que parfois, on n'a pas idée de ce que c'était au début. On peut dire, ouais, bon, moi, je viens d'arriver, le bâtiment, il est là, est-ce qu'il est bientôt fini? Mais il y a ceux qui ont vécu ça depuis le début. Moi, je suis là depuis 2018 et je peux vous garantir qu'au début, il n'y avait qu'un terrain vague avec des arbres dessus. C'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait pas de tout ça. Donc, regardez bien ce qui se passe pour que vous puissiez avoir une meilleure idée. Je vous laisse avec une petite vidéo très sympa qui vous montre en plus les travaux à l'intérieur sur la fin en 2023, de telle manière à ce que vous puissiez vous rendre compte réellement de là où va votre argent. Et tout de suite derrière, nous allons parler d'argent et je vais vous offrir un cadeau qui va vous permettre d'investir et d'avoir plus de parts
Et cela, ça sera après la vidéo. Donc, connectez-vous, appelez vos amis, vos voisins, parce que ce n'est que dans la salle Zoom que, en inbox, je précise encore une fois, en inbox uniquement, on va vous donner un code promotionnel qui va vous permettre de bénéficier davantage sur l'achat d'un pack dans les prochains jours. Et je vais même vous donner une astuce qui va vous permettre de gagner beaucoup plus que le code en question que je vous donne. Donc, voilà une occasion rêvée de faire appel à tous ceux que vous connaissez pour pouvoir récupérer, grâce à mon assistante Barbara, qui va vous donner ça tout à l'heure, après la vidéo et après les explications des tarifs que je vais vous donner. À tout de suite. Thank you.
Voilà, vous avez eu l'occasion de voir où va votre argent et à présent, comme je vous le disais, nous allons parler d'argent. Alors, cette grille paraît un peu complexe parce qu'il y a beaucoup de chiffres dessus, mais en fait, il n'y a surtout que le chiffre de gauche à retenir et souvent que le chiffre de droite. Bien que, il faille prendre en considération aujourd'hui que nous sommes à l'étape 18. Et même si ce tableau n'est pas tout à fait exact, et vous allez comprendre pourquoi il n'est pas tout à fait exact dans un instant, eh bien, les packs de 500 dollars, 750, 1000, 1500, 2000, 3000 ne s'arrêtent pas là. Il y a beaucoup plus de packs que ça. Il y a après le pack de 5000, 7500, 10 000, 12 500, 15 000, etc. Jusqu'à 1 million de dollars. Donc, si vous avez 1 million de dollars, je vous conseille vraiment vivement de les mettre à contribution pour qu'ils puissent vous permettre d'avoir un nombre de parts incalculable de parts. Mais si vous souhaitez simplement commencer par le début, comme la plupart des investisseurs, eh bien, vous pouvez commencer par le pack de 500 dollars. Et dans ce pack de 500 dollars, vous pouvez investir ce qu'on appelle 50 dollars par mois. Ce qui représente en termes de chiffres de francs CFA, cela représente environ 35 000 francs CFA chaque mois. Est-ce qu'on doit payer tous les mois? Oui, on doit payer tous les mois sur 10 mois. Maintenant, si vous êtes intéressé par payer 350 000 francs environ, soit 500 dollars en une fois, vous pouvez bien sûr, et vous allez obtenir combien? 46 000 parts. 46 000 parts. Maintenant, ces parts, si vous les achetez à crédit en quelque sorte, hein, donc c'est ce qu'on appelle aussi comme ça, crédit à tempérament, disent les Russes, eh bien, vous pouvez les acheter à raison de les payer chaque mois. Donc, ce qui vous permet déjà aussi de commencer à payer et puis de vous rendre compte qu'effectivement, c'est quelque chose qui avance bien. Et si c'est quelque chose qui avance bien, ben forcément, bien, on continue à payer. Et chaque mois, vous allez pouvoir payer donc une petite part de ces parts-là. 43 500 parts, c'est ce que vous allez obtenir si vous avez fini de payer les fameuses 10 mensualités. Attention, si vous investissez moins d'argent, si vous vous arrêtez en plein milieu, eh bien, vous n'allez avoir qu'une partie de ces parts. Il est donc important d'aller jusqu'au bout du pack parce que 50% des parts sont délivrées le dernier mois de paiement. Il y a aussi des gens qui ont parfois des difficultés à payer certains packs et qui ont aujourd'hui des packs ce qu'on appelle annulés. C'est-à-dire que ce sont des packs qu'ils n'ont pas réussi à payer, ils ont négligé ou parfois volontairement ou très souvent involontairement. Eh bien, ils ont laissé ces fameux packs et ils pensent que c'est de l'argent qui est perdu. Or, chez Solar Group, rien n'est perdu. Vous avez forcément, en échange des parts que vous avez payées, vous avez forcément, avec l'argent qui a été versé, vous avez forcément des parts en échange. Peut-être pas autant que vous l'auriez espéré, mais vous en avez. Chaque mois, à chaque fois que vous payez, vous avez des parts qui vous reviennent. Et vous pouvez même générer un certificat qui vous permet de prouver que ces parts sont effectivement là. Donc, c'est important. Si vous êtes intéressé, par exemple, par un pack de 3 000 dollars, vous pouvez payer jusqu'à 25 mois. 25 mois à raison de payer à ce moment-là, pour le pack de 3 000 dollars, 84 000 francs CFA par mois. Alors oui, cette grille est en francs CFA parce que je suis partenaire national de 9 pays, dont 7 pays africains qui utilisent notamment le franc CFA. C'est pour cette raison que ce tableau est essentiellement en francs CFA. Maintenant, si ça vous paraît un peu trop gros comme pack ici que l'on vous montre, comme gris, comme c'est complexe, eh bien, je vous invite à vous diriger à la personne qui vous a invité ici ce soir, par exemple, et que cette personne va pouvoir effectivement vous guider, pouvoir vous expliquer combien coûte ces packs. Si vous vous inscrivez, vous allez aussi pouvoir voir de vos propres yeux dans votre compte tous ces packs-là et choisir lequel serait le plus intéressant pour vous. Et là, en plus, vous avez toute la liste. Ça ne s'arrête pas à 3 000. Donc, si vous voulez un pack de 10 000, 15 000, 20 000, vous pouvez, n'est-ce pas? Je voudrais vous apporter ici maintenant un témoignage avant que l'on passe à des choses très sérieuses.
Je vais vous expliquer que nous avons actuellement des promotions. Donc, en fait, ces chiffres-là ne sont pas tout à fait exacts, en tout cas pas pour les nouveaux. Nous allons voir que vous allez avoir beaucoup d'avantages à prendre au départ actuel. Mais avant de vous montrer ces avantages et de vous donner un code promo qui va vous permettre d'avoir encore plus de parts, eh bien, je voudrais vous laisser un témoignage d'une dame qui a tout simplement beaucoup apprécié que l'on vienne lui apporter des codes promo et qu'on puisse lui apporter la possibilité d'investir pour celui qui n'a pas beaucoup d'argent. Donc, c'est-à-dire que 50 dollars, c'est quand même un minimum par mois, 35 000 francs, mais ce n'est pas non plus une somme extraordinaire qui est impossible à investir. Donc, voilà pourquoi cette dame est très contente que l'on puisse penser aux gens qui ont moins de moyens et que ce financement participatif existe. Je vous laisse quelques instants avec elle pendant une courte période pour qu'elle puisse vous expliquer comment elle voit les choses. Je suis Madame Poakoua Foué et depuis le 14 de ce mois, j'y suis entré. J'ai pris un pack que je suis en train de payer, que je vais payer sur 10 mois. C'est un bon projet qui est porteur. Et ce qui m'a frappé, c'est que l'entreprise a pensé au moins entier. En faisant des promotions pour aider les moins nantis, vraiment, ça, c'est une bonne initiative. Bon, depuis le 14, j'ai déjà coopté 12 personnes et je compte continuer avec les explications que j'ai reçues aujourd'hui. Ça m'a donné beaucoup plus de tonus, beaucoup plus de détails et je vais continuer d'en parler à mes proches. Vraiment, je dis merci à la société. Je dis merci à la société en ce sens que parfois on travaille jusqu'à la retraite, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir mieux vivre sa retraite. Alors, ce projet-là est bienvenu. Nous, on n'était pas là en 2017 quand ça a commencé, mais vaut mieux tard que jamais. Alors, je dis merci à la société parce que c'est vraiment un projet porteur. Un projet qui lutte à la fois pour la nature, hein, contre la pollution et tout ça, mais qui pense aussi aux personnes âgées, aux personnes de tout âge, de se faire une fortune. Vraiment, c'est une bonne initiative et vraiment, on leur dit merci. Ils n'ont qu'à continuer de donner les promotions pour que ceux qui n'ont pas d'argent puissent vraiment avoir leur pack. Eh bien, vous l'avez entendu, cette dame parle de promotion. Alors, on va tout de suite parler de la promotion Merci, qui a été lancée il y a une quinzaine de jours et qui nous permet d'augmenter, de booster les travaux sur le chantier. De cette manière-là, avec la promotion Merci, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier de plusieurs choses. Vous avez donc la possibilité déjà de bénéficier de 25 dollars gratuitement dans votre compte si vous êtes un ancien ou un nouveau. Alors, un ancien qui n'a pas investi. Je vous disais tout à l'heure, tout au début de mon exposé, qu'il y a des gens qui se sont inscrits sur la plateforme et qui n'ont jamais investi. Si au jour d'aujourd'hui, ils sont intéressés à investir, eh bien, bingo, ils vont avoir 25 dollars qu'ils vont pouvoir utiliser pour leur premier investissement. Ensuite, vous avez la possibilité d'upgrader, parce que des fois, les anciens, ils disent « Oui, il n'y en a que pour les nouveaux, et pour nous, il y a quoi ?» Vous avez la possibilité d'upgrader un pack fermé. C'est quoi un pack fermé? Eh bien, c'est encore une fois ceux qui ont peut-être pris un pack en 2018, ou en 2019, ou en 2020, et qui ont payé, et qui n'ont plus jamais rien touché entre-temps. Parce qu'ils se disaient « Oui, mais je ne sais pas. » Mais maintenant, aujourd'hui, qu'il y a un bâtiment qui est là, et maintenant, aujourd'hui, que ces gens-là se réveillent, ils disent « Oui, mais moi, maintenant, j'ai l'étape 18. » Mais vous n'êtes pas gentil. Moi, à l'époque, j'ai commencé, j'avais l'étape 5, 6, 7. Comment je fais pour avoir cette étape?
eh bien, ces gens-là vont pouvoir cliquer maintenant sur le pack, l'ancien pack qu'ils avaient, et ils vont pouvoir faire ce qu'on appelle un upgrade. C'est quoi ça? Eh bien, c'est augmenter le pack. J'avais un pack de 500 $, je passe à un pack de 1 000 $ ou 750 $. Et grâce à ça, les gens vont recevoir 20% de parts en plus, mais pas sur les tables actuelles, sur les tables de l'époque. Imaginez ce que ça peut représenter. Imaginez les gens qui sont intéressés par avoir de l'ancienne époque et qui ne sont pas au courant, mais appelez-les tout de suite. Appelez-les tout de suite. Décrochez votre téléphone parce qu'ils n'y croient pas. Ils ne lisent rien, ces gens-là. Ils ont un jour investi et ils ont laissé le pack là comme ça et ils ne lisent plus rien depuis. Ils ont même l'impression qu'ils ont perdu leur argent. Alors que je vous ai dit tout à l'heure, on ne perd pas son argent. Donc aujourd'hui, réveillez ces gens-là. Dites-leur que s'ils prennent un pack supérieur, ils vont avoir en plus 20% en plus. C'est pas génial? Bon, c'est pas fini. C'est pas fini. Celui qui veut payer ses packs à l'avance, parce qu'on vous a dit qu'on a besoin d'argent. Donc, si vous avez un pack sur 30 mois et que, justement, vous vous rendez compte que vous aimeriez bien aider le chantier à se finir parce que ça permettrait d'avoir des dividendes plus rapidement, eh bien, vous pouvez, par exemple, payer 2, 3 mois, 4 mois ou 5 mois d'avance. Mais comme ça ne rapporte pas autant que vous auriez voulu, on vous offre maintenant 10% de parts sur les tranches que vous allez payer. Voilà une idée intéressante. Et puis maintenant, les nouveaux, ceux qui n'ont jamais investi. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'en fait, le chiffre n'est pas tout à fait exact. Eh bien, ils auront une étape en moins. Donc, c'est-à-dire que maintenant, ils ont droit à l'étape 17, pas 18. Donc, ceux qui n'ont pas investi, 25 $ plus étape 17. Ceux qui n'ont jamais investi, qui viennent juste d'ouvrir un compte, 25 $, étape 17. Et puis, si vous êtes en train d'upgrader le pack que vous êtes en train de payer, parce qu'il y en a certains, ils n'ont pas que des packs qui sont fermés et finis, ils ont aussi des packs qui sont ouverts, qui sont en train de payer. C'est un pack de 500. Et vous êtes très ravis de comprendre que, comment ça marche subitement. Et vous allez passer un pack de 5 000. Eh bien, lorsque vous allez passer au pack de 5 000, on va vous offrir 20% de parts en plus sur le pack de 5 000 à l'étape où vous avez acheté le pack que vous êtes en train de payer. Donc, ça peut être très intéressant. Tout ça, ce sont des parts gratuites qui vous sont offertes et qui vous incitent à prendre un peu plus en ce moment. Et si vous achetez un nouveau pack, vous obtenez là aussi non seulement une étape en moins, mais vous obtenez également 1% de parts en plus. Vous voyez que toutes ces promotions sont vraiment faites pour tout le monde. C'est ce que voulait la promotion en quelque sorte. Et de telle manière à vous offrir tout ça, je voudrais vous préciser que l'offre promotionnelle va durer jusqu'au 15 août 2023. Donc, vous avez encore 15 jours pour profiter de tout cela. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de courir ce soir, ils cherchent l'agent. Mais il n'y a pas besoin de courir non plus jusqu'à des heures impossibles. Sachez que demain matin, ce sera encore là. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de l'étape 17? Parce que je vous ai dit qu'il y avait une étape en moins. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'en fait, jusqu'au 15 août, je précise, hein, pour ceux qui regarderont le replay de façon décalée, eh bien que ce que je parle là, ça ne durera que normalement au 15 août. Et au 15 août, vous aurez ce qu'on appelle l'étape 17, plus 10% que je vais vous offrir grâce au code que Barbara est en train de vous donner dans vos comptes. Étape 17, on a quoi? On a non plus 43 500 parts, mais on en a 53 500, d'accord, qui représente un potentiel de 37 millions de francs CFA à l'entrée en bourse. Mais pour le pack de 2000, par exemple, vous aurez aussi 262 000 parts. Alors que tout à l'heure, il y en avait nettement moins. Voilà donc des choses très intéressantes qui vont vous permettre d'avoir des millions de parts en plus. Je dis des millions parce que c'est vraiment ce que je vous conseille, c'est d'avoir au moins minimum 1 million de parts. Et vous allez pouvoir vous les constituer grâce à toutes ces promotions. Parce qu'en plus de ça, de cette étape 17 qui est là et qui figurera dans votre compte lorsque vous allez cliquer, parce que ça va se voir, vous y aurez droit, eh bien, vous allez pouvoir avoir tout simplement 10% de parts en plus des 20%.
C'est-à-dire que si vous avez déjà reçu 20% et que vous appliquez le code promo que vous donne en ce moment Barbara dans vos inbox sur Zoom, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier de non plus 20%, mais 30%. D'accord? 20 plus 10, ça fait 30. Ça vaut quand même le coup de commencer à réfléchir, de soit augmenter votre pack, soit de vite acheter. Donc, je répète, lorsque vous allez arriver dans votre compte et que vous allez arriver sur la deuxième page après avoir sélectionné le pack, écoutez-moi bien, pour ceux qui sont nouveaux, vous cliquez sur sélectionner. Sur la deuxième page qui s'affiche, on va vous dire combien vous devez payer. Et là, en bleu, en tout petit, en tout, tout, tout petit, il y a écrit j'ai un code promotionnel. Ne ratez pas cet endroit. Si vous validez et que vous payez et que ce n'est pas le code qui a été rentré, vous n'allez pas avoir 10% en plus. Je répète. Lorsque vous avez cliqué sur sélectionner, une deuxième page s'affiche. Sur la deuxième page qui s'affiche, vous allez voir combien vous devez payer. Voilà, première mensualité ou double mensualité, comme vous voudrez. Ou là, vous avez un endroit, c'est écrit en tout petit en bleu, j'ai un code promotionnel. Vous cliquez dessus, c'est un petit lien bleu, et il y a une case qui va s'ouvrir. Lorsque cette case va s'ouvrir, vous allez introduire le code que Barbara est en train de vous donner, inbox. Elle est en train de le faire, donc si vous n'avez encore pas reçu, un peu de patience, elle ne peut pas être avec 50 personnes en même temps. Or, vous êtes 50 personnes dans la salle. Donc, forcément, il y a un petit délai entre le moment où elle donne le code à l'un et elle donne le code à l'autre. Grâce à ce code, vous allez pouvoir bénéficier de 10% supplémentaires sur l'achat d'un pack. Maintenant, je vais vous donner une astuce. Écoutez bien, parce que là, ça va devenir très intéressant. Imaginez que vous vouliez acheter un pack de 1000 dollars. D'accord? Eh bien, je vous conseille tout simplement de commencer à acheter un pack de 500 dollars. Et vous allez utiliser les 10% avec un code. Et ce code, vous allez donc l'utiliser. Maintenant, si vous êtes un peu malin, vous allez pouvoir venir dans une de nos présentations, une autre présentation avec un autre code promo, et vous allez faire un upgrade dans la période. C'est-à-dire que l'upgrade que vous allez faire va pouvoir vous amener à avoir 10% en plus encore. Eh oui, n'arrête pas le progrès. Donc, vous aviez déjà au départ 20%. Plus 10% avec le code promo qu'on vous donne ce soir. Si vous venez à une présentation physique, vous aurez un autre code promo. Grâce à ce code promo, vous allez pouvoir faire un autre upgrade pour passer un pack de 1000 dollars ou plus ou supérieur, n'est-ce pas? Et là, vous allez recevoir encore 10%. Donc, en total, vous aurez 40% de part en plus. Si vous payez avec votre compte bonus, pour ceux qui connaissent et qui font du partenariat, vous aurez encore 5% de part en plus sur les parts que vous payez avec votre bonus. Si vous êtes discipliné, si vous payez tous les mois à temps, sans un seul jour de retard, vous aurez encore 5% en plus. Ce qui veut dire que, en fait, si vous êtes très malin, vous pouvez déjà atteindre déjà au moins minimum 50% en plus. Alors, il y a des gens qui n'ont pas compris comment ça fonctionne, mais pour ça, nous sommes là aussi pour vous aider. Et vous pouvez vous adresser à votre parrain, à la personne qui vous a invité, et qui pourrait être susceptible de vous aider. Tout simplement avec des codes promo. Et ce code promo que nous distribuons ce soir ne sert qu'une seule fois dans un compte. Vous ne pouvez pas l'utiliser deux fois. Mais pour la deuxième fois, vous avez besoin d'un autre code promo que je vous invite à réceptionner, soit en participant à un autre webinaire de présentation, soit vous venez à une présentation physique dans votre ville. Et sinon, ben, vous avez peut-être un qui a un code promo qui traîne et qui pourrait vous le refiler. N'est-ce pas? Donc, j'espère que vous avez tout compris là. Pour ceux qui n'ont pas compris, il y aura peut-être des questions tout à l'heure et j'y reviendrai bien sûr. Pour l'instant, nous allons poursuivre. On va arrêter de vous donner les codes et si vous n'avez pas reçu, un peu de patience. Combien la société sur le marché va gagner d'argent? Nous, ça nous intéresse. Eh bien, la première année,
Monsieur Dudeneuf a dit que nous aurions environ 100 millions de dollars de bénéfices. Pourquoi? Parce que quand on vend un moteur chez Dudeneuf, quand on vend la conception d'un moteur, cela coûte environ 50 millions de dollars. Et on est susceptible de créer entre deux et trois moteurs, entre un et trois moteurs par an. Ce qui veut dire qu'on pourrait être susceptible la première année d'avoir 150 000 dollars de chiffre d'affaires. Plus, on envisage d'avoir à peu près 15 000 dollars, 15 millions de dollars, pardon, 15 millions de dollars supplémentaires sur la vente des meuleuses d'angle qui sont en cours de fabrication par le biais d'une entreprise partenaire chinoise. Et ces meuleuses d'angle seront distribuées à grande échelle à travers la planète grâce à des marques chinoises et russes et pourront donc montrer et démontrer l'efficacité du moteur dans ce type d'outil à main. À partir de là, la société Sauvelmash est susceptible d'encaisser encore 15 millions de dollars supplémentaires de bénéfices. Donc, on arriverait à 115 millions de dollars de bénéfices. Et ça, ce serait donc la moitié qui serait redistribuée à l'ensemble des actionnaires en fonction du nombre de parts que vous allez avoir d'actions. Aujourd'hui, et comprendre que la société a déjà des dizaines de clients qui font toc-toc à la porte de M. Dudeneuf et qui sont prêts à travailler avec lui. Et les coopérations et les contrats préliminaires ont déjà été signés, ce qui veut dire qu'on n'est pas en manque de travail, comme certains pourraient le penser en regardant un petit peu trop des informations télévisées à propos de la Russie. Et que, en fait, c'est plutôt un effet inverse qui se produit, dans la mesure où certains embargos sont Russie et qui font que les marchands et les propriétaires d'usines et les fabricants en Russie se tournent vers la société Sauvelmash pour fabriquer ce qu'ils ne peuvent plus importer. Donc, il y a du travail pour la société Sauvelmash, bien que vous auriez peut-être imaginé l'inverse. Nous sommes aujourd'hui plus de 443 000 personnes à s'être inscrites sur la plateforme SolarGlobe. Oui, le chiffre est conséquent et il augmente de jour en jour. Et bientôt, on va vous annoncer encore un chiffre plus gros parce que les gens s'inscrivent, mais n'investissent pas tout. Donc, je vous invite vraiment à utiliser les codes promo, à utiliser les promotions actuelles, merci, de telle manière à augmenter le chiffre nécessaire pour atteindre les 70 millions de dollars pour la construction de ce bureau technique d'études et d'ingénierie, BTEI. On parle souvent de BTEI, c'est le bureau technologique d'études et d'ingénierie, et que nous sommes dans 194 pays et nous avons plus de 55 000 investisseurs à ce jour qui sont issus de ces 443 000. Oui, 443 000 personnes qui ont une inscription, mais pas 443 000 qui investissent. À présent, je voudrais vous laisser une petite vidéo. Nous avons été il y a peu de temps à Ganioua, c'est une ville située en Côte d'Ivoire, à 4 heures de route d'Abidjan. Et cette ville qui s'appelle Ganioua est une ville où il y a 200 000 habitants. Ce n'est donc pas un petit village. Et c'est l'occasion de vous montrer que nous avons ouvert là-bas un bureau parce que nous y avons une forte concentration de gens qui sont intéressés par notre projet. Et là-bas, nous avons ouvert un bureau physique, après celui d'Abidjan qui a été inauguré au mois de mars. Je vous laisse avec un reportage télévisé qui a été diffusé sur la chaîne télévisée Business 24 en Côte d'Ivoire, pour que vous puissiez vous rendre compte de la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et vous qui avez peut-être un petit doute et qui habitez peut-être en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays voisin, eh bien, voici le reportage télé de Business 24 sur l'ouverture du deuxième bureau à Gagnoa. Société financière Solar Group a récemment inauguré son deuxième bureau physique à Gagnoa. La manifestation s'est déroulée en présence de Gilles Weber, le partenaire national de Solar Group. Solar Group a présenté en marge de cette inauguration le projet des moteurs Duinov qui consiste à introduire sur le marché mondial des moteurs électriques avec la technologie des combinés Slavyanka. Gervais Amani pour plus de détails.
Selon Gilles Weber, le partenaire national de Solar Group, la technologie des combinés Slavienka permet de développer des moteurs électriques asynchrones qui n'ont pas d'analogue en termes d'efficacité énergétique. Ils sont utilisés dans le transport électrique, dans l'industrie, dans l'agriculture, la vie quotidienne et bien d'autres domaines. L'objectif principal du projet est de construire un bureau technologique d'études et d'ingénierie qui gagnera sur le développement des moteurs électriques et les investisseurs du projet recevront des dividendes sur les bénéfices de l'entreprise ou de revenus provenant de la revente des actions lorsque la société Sauvelmash sera sur le marché boursier. Le financement collectif du projet a commencé en 2017 et selon Gilles Weber, une personne de n'importe quel pays peut acquérir une participation dans cette société. Ce deuxième bureau physique de Gagnois aura pour mission de faire connaître les activités de Solar Group. Aujourd'hui, nous avons inauguré le deuxième bureau Solar Group en Côte d'Ivoire, après celui d'Abidjan qui a eu lieu au mois de mars 2023 avec la venue de la direction depuis la Russie. Aujourd'hui, nous avons ouvert un bureau à Gagnois parce que le vice-partenaire national Pacomea se trouve dans cette ville et qu'il est particulièrement actif et que nous avons un potentiel d'investisseurs sur cette ville qui est très important. La société Solar Group compte aujourd'hui plus de 438 000 participants et 194 pays dans le monde avec plus de 16 000 partenaires actifs dans le projet et 27 représentations nationales sur 3 continents. Solar Group est une société financière internationale. Co-fondateur de la société d'ingénierie, elle détient 49,5% des parts de Sauvelmash installées en Russie. Elle organise également le financement participatif populaire du projet des moteurs Diounov en attirant des investissements de projets dans le monde à travers une communauté de partenaires. Voilà donc pour ce reportage de Business 24 qui a parlé effectivement de cette inauguration dans la ville de Gagnois en Côte d'Ivoire. Maintenant, la question est souvent que les gens regardent ce que je présente et à la fin, ils se disent « d'accord, c'est bien, mais comment je peux faire pour investir ? » Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, pour s'inscrire sur Solar Group pour obtenir ce qu'on appelle un bureau virtuel ou un back-office, et remplir votre profil avec votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et tutti quanti, eh bien, vous devez vous adresser à la personne qui vous a invité ici. Elle va vous donner ce qu'on appelle un lien d'inscription, et ce lien d'inscription va vous permettre d'être affilié à cette personne qui vous a invité. Si vous ne le faites pas, c'est un peu dommage parce que vous n'allez pas avoir quelqu'un qui aura l'occasion de vous suivre et de vous aider. Donc, je vous invite vraiment particulièrement à regarder qui vous a invité, de s'adresser très vite ce soir même encore à s'inscrire, parce que des fois, les gens traînent. « Oh oui, demain, c'est férié au Bénin, donc demain, on ne fera déjà rien. » Donc, soyez rapide à vous inscrire, parce que déjà, s'inscrire, ça ne coûte rien. Au contraire, ça vous rapporte même 25 $. Et vous allez pouvoir investir ces 25 $ avec un petit complément que vous allez ajouter. Effectuez également la vérification du compte. Ça, c'est très important, c'est-à-dire télécharger une pièce d'identité et votre adresse, un document qui permet de justifier de votre adresse. Ça s'appelle un certificat de résidence ou une attestation de domicile ou un justificatif de domicile en France, par exemple. Acheter un pack d'investissement, c'est aussi quelque chose qui est particulièrement conseillé, surtout avec les promotions actuelles. Je vous rappellerai que vous avez droit à une étape en moins si vous êtes nouveau. Vous avez droit à 25 $ et en plus de ça, pour ceux qui achètent un pack supplémentaire, ça vous rapporte aussi 20% supplémentaire, auquel cas vous rajoutez le code que vous a donné Barbara et vous aurez encore 10% en plus, soit grâce à ce webinaire, vous aurez droit à 30%. Et je vous invite encore à le faire, même ce soir encore, de telle manière à ce que nous puissions avoir un très beau résultat du mois de juillet sur la récolte, sur la levée de fonds que nous sommes en train d'organiser avec la société Solar Group. Je vous rappellerai bien évidemment qu'en échange de votre argent, vous recevez des parts sociales qui plus tard vont se transformer en actions et qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir bénéficier donc de tout cela.
Maintenant, à présent que vous êtes ici et que vous êtes en train de vous dire, c'est bien gentil, il veut qu'on s'inscrive, il veut qu'on investisse, mais je n'ai donc pas d'argent. Eh bien, c'est une grande majorité de gens qui n'ont pas d'argent. Sachez que moi non plus, au départ, je n'avais pas d'argent. Et j'ai commencé par investir 50 dollars, donc 35 000 francs CFA. D'accord ? Maintenant, vous, aujourd'hui, vous avez la chance, vous avez déjà 25 dollars si vous arrivez. Ce qui veut dire que si vous avez 25 dollars, eh bien, vous avez déjà plus que 17 500 à verser, 25 pour commencer à payer un pack de 500. Donc, c'est déjà un avantage. Maintenant, je vais vous montrer comment, avec SolarGroup, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Cependant, je voudrais vous dire que ce que je voulais vous présenter maintenant, ça n'a rien à voir avec l'investissement. Ça aide à faire l'investissement, mais ce n'est pas non plus obligatoire. C'est-à-dire que vous avez signé un contrat séparé qui va vous permettre de faire ce que l'on appelle du partenariat. Le partenariat permet de gagner de l'argent grâce au fait que vous allez promotionner cette activité. Vous allez en faire votre job. D'accord ? Souvent, on a des gens qui viennent nous voir, que ce soit moi ou Barbara ou d'autres leaders, et nous disent « Hey coach, tu n'as pas un job pour moi. » Nous avons un job pour tout le monde. Simplement, il faut savoir le saisir et savoir comprendre ce qu'il faut faire. C'est un peu comme si vous arrivez chez un patron et que parfois, ben, vous ne savez pas comment faire pour gagner votre argent et comment travailler parce que vous n'avez pas appris et vous êtes obligé d'apprendre. Eh bien, là aussi, vous pouvez apprendre. Vous pouvez même apprendre gratuitement parce que dans le back-office que nous avons une formation à l'intérieur. Et cette formation, elle est gratuite. Par contre, elle est tellement gratuite que personne ne la regarde. Donc, en fait, c'est un peu bête parce que je dis personne ne la regarde, j'exagère un peu, mais il y a beaucoup de gens qui ne la regardent pas parce qu'elle est gratuite. Si elle coûtait 50 000 francs, je suis sûr que tout le monde la regarde. Donc, la prochaine fois, on va la faire payante. Non, j'ai rigolé. Alors, allez dans votre back-office, inscrivez-vous et signez le contrat d'investissement d'un côté, dont je vous ai parlé tout à l'heure pour investir. Et en plus, vous allez cliquer sur un lien qu'il y a dans le menu où il est marqué « Pour les partenaires ». Et là, dans cette rubrique « Pour les partenaires », vous avez un contrat également à signer qui s'appelle le contrat de partenariat. En quoi cela consiste ? Eh bien, cela consiste à promotionner le projet que nous venons de vous montrer. Et comme on vient de vous montrer un joli projet et que ça vous intéresse beaucoup, eh bien, vous allez peut-être être intéressé par en parler à d'autres personnes. Et également les attirer et les intéresser à investir. Quand c'est vous qui les avez amenés et que vous êtes un commercial, en quelque sorte, de SolarGroup, eh bien, SolarGroup va vous rémunérer des commissions. Combien va-t-on vous rémunérer? Eh bien, on va vous rémunérer 15% sur l'achat que pourront faire toutes les personnes qui se seront inscrites directement avec vous. Je rappellerai que ce n'est pas obligatoire de faire ce que je dis là. Vous pouvez le faire pour gagner de l'argent. Et cet argent, vous pouvez l'investir ou le retirer dans vos poches. Le retirer de SolarGroup pour manger. Attention, il y a des conditions pour retirer. Il faut avoir investi minimum 200 dollars. Et on ne peut pas retirer en dessous de 50 dollars. Maintenant, 15% vous seront reversés quand ? Ils vous seront reversés immédiatement après que la personne est payée. Donc, si la personne paye, par exemple, je ne sais pas moi, 100 dollars, eh bien, vous allez recevoir 15 dollars dans votre compte. 15 dollars, ben, ça fait 10 000 francs CFA. Donc, vous pouvez gagner 10 000 francs CFA, lesquels vous allez pouvoir utiliser en dollars, bien sûr, pour payer d'autres packs, pour payer votre propre pack à vous. Ou alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, à partir d'un certain moment où vous aurez investi 200 dollars, vous allez pouvoir récupérer cet argent dans votre poche. Comment est-ce qu'on fait pour payer? Souvent, c'est la question. Comment est-ce qu'on fait pour charger de l'argent et comment fait-on pour payer? On doit utiliser des systèmes qui existent aujourd'hui sur le marché, qui existent depuis fort longtemps d'ailleurs, comme Perfect Money, par exemple, comme Payeer ou les cartes Visa, Mastercard, ça vous connaissez. Et nous avons également la possibilité d'utiliser des monnaies. Vous pouvez investir avec de l'USDT, avec du Bitcoin, de l'Ethereum et d'autres monnaies encore. Et grâce à cela, vous allez pouvoir payer vos packs de parts chaque mois. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui a investi, vous allez percevoir l'argent des commissions immédiatement. Ça veut dire tout de suite après que la personne est payée.
Tout de suite, 2 minutes après, vous avez ça dans votre compte et vous allez pouvoir utiliser ces dollars pour payer vos propres parts. Ce qui peut vous amener à acheter au moins minimum 1 million de parts si vous y mettez un peu du vôtre. Parce que parfois, les gens ne veulent rien faire et gagner beaucoup d'argent qui tombe du ciel. Mais malheureusement, cela ne fonctionne pas comme ça. Il faut démarcher. C'est ça que parfois, j'appelle ça être démarcheur. Il y a des gens qui n'aiment pas ce mot, mais pourtant, le démarcheur, il est connu. Il existe, il gagne. Et bien là, c'est la même chose. Vous allez tout simplement démarcher vos amis, vos voisins, vos cousins. Bon, ce n'est pas toujours les meilleurs, hein, comme diraient d'autres leaders. Eh bien, ce n'est pas forcément la famille, mais qui sont les meilleurs clients, bien que. Mais vous pouvez, par exemple, si vous avez une femme, lui ouvrir un compte et commencer à lui payer un pack. Ça aussi. Si vous avez des enfants, sachez que vous avez actuellement, jusqu'à ce soir, je crois, même ça va continuer parce qu'il y a une promo pour les nouveaux packs. Étape 17 pour les enfants. Donc, vous avez une possibilité d'acheter un pack pour vos enfants. Et bien sûr, ils ne bénéficieront de ce pack et de ce que ça peut rapporter qu'à partir du moment où ils seront majeurs, soit 18 ans, soit 21 ans, selon votre pays. Je précise hein, qu'en Côte d'Ivoire, la majorité, c'est 21 ans, pour ceux qui ne le savaient pas. Et du coup, ça va vous permettre que votre enfant puisse bénéficier, lorsqu'il sera majeur, eh bien, déjà d'avoir quelque chose. Et souvent, nous avons même des grands milliardaires comme Warren Buffett, qui conseillent justement aux gens d'avoir un portefeuille pour leurs enfants dès leur jeune âge, de telle manière à ce que ceux qui vont mettre de l'argent sur un livret dans une banque, eh bien que cet argent puisse fructifier et que cet argent puisse avoir un bon retour sur investissement dans quelques années si votre enfant est plus ou moins grand. Donc voilà, c'est un petit peu une solution et une idée qui peut vous traverser l'esprit à aider vos enfants. Ce soir encore et tout à l'heure, j'ai lu un message au Mali. Une dame vient de prendre pour ses 2 enfants un pack. Au même titre, cet après-midi, au Burkina Faso, une dame a également pris, une maman a pris pour ses 4 enfants, elle a pris un pack pour chacun. Donc, vous voyez qu'en fait, on met un peu d'argent pour ses enfants. Et en plus, vous bénéficiez de cadeaux supplémentaires en prenant ces packs. Moment, ce qui fait que votre enfant va bénéficier de cette promotion actuelle. Et cerise sur le gâteau, comme on dit, vous aurez en plus le code promo de 10% que vous a donné Barbara pour pouvoir avoir 10% supplémentaire. Donc, c'est vraiment un vrai cadeau ce soir. Et profitez-en parce que ça ne dure que jusqu'au 15 août, la promotion générale. Donc, il faut se dépêcher, sachant que moi-même, je ne ferai très certainement de webinaire pas avant la fin du mois prochain, ça veut dire que la promotion sera terminée à ce moment-là. Donc, dépêchez-vous de ramasser au moins minimum 40% de parts en plus avec la technique que je vous ai donnée tout à l'heure. Vous prenez un pack plus petit, vous upgradez, vous avez déjà 20% plus 30% plus 10%, ça fait 30%. Et après quelques jours, vous prenez un autre code que vous allez chercher dans une présentation physique. Et vous aurez l'occasion de faire un autre upgrade, c'est-à-dire d'augmenter le pack, et un pack de 750 ou 1000 dollars ou 2000 ou 10 000 ou 20 000, et vous aurez à ce moment-là 10% supplémentaire, ce qui va vous représenter 40% du nouveau pack de parts en plus. Ce n'est pas négligeable. Plus, si vous respectez les paiements chaque mois à temps, vous aurez 5%. Et si vous payez depuis votre compte bonus, parce que vous avez gagné de l'argent, vous allez encore gagner à chaque fois que vous allez payer 5% sur le nombre de parts que vous allez payer. Ce qui fait que si vous payez tous les mois depuis votre compte bonus, vous pourriez être susceptible d'avoir quasiment 50% de parts en plus. Voilà, n'est-il pas intéressant d'écouter les webinaires et d'avoir des bons conseils? Alors, si moi je vous donne des conseils à vous, n'oubliez pas de dupliquer l'information. Qu'est-ce qu'on appelle dupliquer? C'est-à-dire de décrocher son téléphone ce soir ou demain matin et de dire « Allô, mon filleul, toi que je t'ai inscrit depuis 3 ans, est-ce que tu as vu que tu pouvais gagner jusqu'à 50% de parts en plus juste en appliquant les bons conseils du partenaire national qui les a donnés lors du webinaire ?» Et grâce à ça, eh bien, vous allez peut-être réveiller des consciences. Ceux qui n'ont pas eu conscience que jusqu'à aujourd'hui, à la 18e étape, nous avons un bâtiment qui est quasiment terminé
et qui, eux, n'avaient vu que de la forêt, eh bien, maintenant, il serait peut-être temps de prendre un pack. Et grâce à toutes ces promotions, eh bien, ça va leur faire beaucoup de bien. Comment faut-il faire pour devenir partenaire et gagner de l'argent avec SolarGroup? Eh bien, vous devez déjà signer le contrat de partenariat. Pour cela, je vous rappellerai que vous devez cliquer sur « Pour les partenaires » dans le menu général du back-office SolarGroup. Vous devez recommander le projet. Avant ça, vous devez signer le contrat, bien sûr. Et une fois que vous avez signé le contrat, vous allez pouvoir commencer à promotionner, à gagner de l'argent dès que quelqu'un va payer et qui sera inscrit avec vous. Donc, c'est important aussi de retrouver ce qu'on appelle le lien de partenariat. Alors, il se trouve sur la page d'accueil. Des fois, les gens le cherchent. Il y a marqué « page d'accueil », il y a marqué un endroit « votre lien de partenariat ». Vous cliquez dessus, vous le copiez et vous le donnez à quelqu'un d'autre. Donc, pas la peine de chercher dans des pages reculées. Le lien de partenariat se trouve déjà sur la page d'accueil. Et puis, vous pouvez obtenir une rémunération en fonction du plan de financement que je vous ai donné tout à l'heure. Sachez toutefois que dans le plan de financement qui se trouve ici, nous avons ce qu'on appelle des carrières. Une carrière, et cette carrière est là pour vous orienter et vous donner quelque chose de très intéressant. Notamment, par exemple, vous pouvez avoir la possibilité de devenir spécialiste ou master ou expert ou professionnel ou président. Alors, comment peut-on gravir ces fameux échelons? Et ça s'appelle une carrière chez nous. Et cette carrière peut être obtenue tout simplement en payant un certain montant de PAC, comme pour exemple pour le statut de spécialiste. Vous devez avoir investi 250 $ personnellement et avoir deux personnes au premier niveau, donc que vous avez invité personnellement, avoir investi chacune 100 $. Ce qui fait au total 2 fois 100 $, 200, plus vos 250, ce qui fait 450 $. À ce moment-là, vous allez passer spécialiste et vous allez déjà gagner 5% du niveau au lieu de 4%. Maintenant, si vous grimpez un peu, vous pouvez devenir master. Et pour être master, vous devez avoir investi 500 $, donc avoir acheté le pack de 500 $, par exemple, ou deux packs de 250, pour ceux qui ont déjà un pack de 250. Et ensuite, vous allez pouvoir, grâce à 3 personnes qui auront investi chacune 200 $, vous allez pouvoir devenir master. On a vous-même vos 500 $, plus 3 personnes à 100 $, 200 $, ça fait 600, plus 500, ça fait 1100. Et vous devez atteindre 2000 $ entre vous et votre premier niveau. Là, vous allez passer master. Et beaucoup de gens sont passés master dans les derniers jours parce qu'il y avait un concours qui leur permettait de gagner 100 $ plus 5000 parts. Et nous avons une flopée, une ribambelle de master qui ont surgi dans les 2 derniers jours et que je voudrais personnellement féliciter. Il y en a qui ont fait beaucoup d'efforts. Ainsi, nous avons un grand nombre de gens qui ont eu l'occasion de gravir cet échelon grâce aussi à la promotion et de toutes les activités qui se déroulent. Alors, ça fourmille en ce moment, hein, au cas où vous n'êtes pas au courant et que vous êtes là pour la première fois. Sachez que ça bouge méchant sur les réseaux. Hein. Là, ça y va dans tous les sens. Hein. Toutes les 3 secondes, il y a quelqu'un qui paye. Hein. Je n'ai pas dit tous les 3 secondes, il y a quelqu'un qui paye. Donc, c'est la vraie fourmilière en ce moment. Tout le monde va cliquer sur investir et charge les dollars et cherche et clique et qui fait le nécessaire. Donc, voilà donc comment ça s'est fait. Je voudrais à présent vous laisser, avant de tout doucement venir vers les questions-réponses, eh bien, je voudrais vous laisser avec un petit témoignage encore d'un monsieur qui est du côté d'Abidjan et qui est venu à une de nos présentations. Et lui aussi va vous parler, justement, il va vous laisser son récit et il va vous dire à quel point c'est important d'investir pour que vous ne pensiez pas toujours que ce soit que moi, partenaire national, qui parle et qui vous donne les bons conseils et que vous pensez que je suis quelqu'un qui prend parti pris. Ceci dit, c'est vrai que je prends parti pris. Mais au moins, vous avez un témoignage d'autres personnes qui sont des gens réels, qui sont des gens qui sont venus dans nos locaux et qu'on a tout simplement filmé pour vous montrer ce qu'ils disent. À tout de suite, après le témoignage. Je suis déjà dans ce projet depuis 2022. J'ai déjà investi, j'ai fini de payer mon pacte. Et après la conférence du 4 mars au golf, en tout cas, ça m'a tellement encouragé que j'ai pris encore notre pacte que je dois payer. Alors, j'encourage tous ceux qui doutent encore à ce projet de venir vraiment investir.
C'est un projet d'avenir. C'est un projet qui est stable et qui garantit l'avenir à soi-même et à la famille, aux enfants. En tout cas, tous ceux qui disent encore, il leur dit de venir investir, il n'est pas hésité, il n'est pas douté. C'est un bon projet. Bon, par rapport à la présentation d'aujourd'hui, en tout cas, ça m'a donné encore beaucoup d'éléments convaincants. Il me permet encore de coacher encore d'autres personnes pour venir investir dans ce projet. En tout cas, la présentation a été bien faite. Et vraiment, je suis convaincu encore. Je vais même parler à d'autres personnes qui doutent encore de venir investir dans le projet. Bon, moi, je trouve que ce mode de financement, en tout cas, c'est bon. Ça aide chacun à investir sans contrainte et pas beaucoup de dépenses. En tout cas, ça facilite l'investissement. Oui, comme je le disais, en tout cas, la société a une bonne initiative. En tout cas, la fabrication de ces moteurs, cela vient qu'à combiner. Franchement, c'est de l'avenir. Parce que ce qui est déjà sur le marché, comme vous le dites, ce n'est pas de moteurs, c'est une chose combinée. Mais ça, en tout cas, ça va vraiment prendre le marché. Et ça va nous faire gagner beaucoup. Franchement, c'est bon. Encore, j'ai dit merci à la société pour cette initiative et que je les encourage aussi à faire vite pour que nous puissions entrer aussi en position de. Parce qu'on a pressé aussi. Voilà du réel. Voilà des témoignages qui sont intéressants et qui permettent de voir qu'effectivement, Solar Group se développe avec ses partenaires. Et à propos de partenaires, eh bien, je voudrais vous signaler qu'aujourd'hui, nous avons 28 pays qui sont en partenariat national. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans ces 28 pays, il y a un intérêt particulier pour le projet et que nous avons un partenaire national. Dans certains de ces pays, nous avons des bureaux. Il existe 9 bureaux dans le monde. Et il y a également ce qu'on appelle des bureaux secondaires, qui ne sont pas encore aujourd'hui officiellement des bureaux sur la route, mais dans lesquels bureaux nous faisons déjà des présentations. Je pense notamment au Cameroun et au Sénégal, où nous avons des équipes et nous avons des gens qui nous soutiennent, notamment le vice-partenaire national du qui accueille les partenaires de Solar Group dans ses locaux et qui pratique déjà du partenariat pour sa société. Également le club Wealth international au Sénégal, qui est un club d'investissement et pour lequel Salia Mariga, des voyages Mariga, ou Mariga Voyage, eh bien, nous accueille et nous représente au Sénégal à Dakar. Souvent, les gens ne le savent pas, donc je voudrais vous le préciser. Et que là aussi, on pourrait dire que ce sont des bureaux secondaires, donc ce qui nous amènerait déjà à 11 bureaux dans le monde. Les autres pays sont des représentations nationales, et il en manque une là-dessus, c'est le Mali, qui vient de se rajouter, et pour lequel je suis nommé partenaire national. Donc, je salue tous les Maliens. Et je voudrais aussi préciser qu'une équipe ivoirienne est allée récemment passer 3 semaines au Mali, que nos deux grands leaders, parce qu'on ne peut pas dire autrement, hein, professionnels et experts, sont allés sur place et ont fait des présentations au Mali qui ont permis à de nombreux Maliens de mieux comprendre le projet. Et maintenant, le 5 août prochain, nous allons avoir au Mali, dans 5 jours, samedi prochain, nous allons avoir donc une présentation qui sera faite par des Maliens. Et je vous invite également, là, au Mali, à assister à cette présentation. Si vous-même, vous connaissez des gens au Mali, eh bien, je vous invite à les contacter et à leur indiquer qu'à Bamako, dont les indications sont dans le back-office et qu'on vous donnera également sur les réseaux sociaux, et bien, vous allez pouvoir inviter des gens. Voilà, spécifiquement, je parle un peu du Mali, parce que c'est le dernier pays qui s'est rajouté, qui n'est pas sur cette liste, mais pour lequel nous avons besoin de faire beaucoup d'efforts pour mieux faire connaître le projet. Je vous le rappellerai, Gilles Hébert, je suis partenaire national donc, de 9 pays et je vous laisse mes coordonnées pour que vous puissiez éventuellement me joindre si vous avez eu une difficulté quelconque. Si vous avez une question précise, si c'est une question technique qui concerne le chargement d'argent
les PAC, etc. Tout ça, je vous invite à plutôt regarder dans votre back office et à contacter le support en ligne parce que je n'ai accès à aucun compte. Je ne suis qu'un partenaire national, donc je ne suis pas habilité à avoir des accès à des comptes des autres partenaires. Et dans ce cadre, eh bien, je vous invite à contacter le support en ligne en cliquant sur la bulle bleue en bas à droite de votre écran pour contacter le support si vous n'avez pas eu réponse à vos questions ou si vous avez des problèmes d'ordre technique ou des problèmes d'ordre financier. Notamment l'argent qui n'est pas arrivé. Petite précision, parce que c'est quelque chose qui arrive très souvent et je vous demanderai, à vous qui m'écoutez, répéter à d'autres personnes qui chargent, par exemple, pour la première fois un compte, les crypto-monnaies ne sont pas immédiates. Et souvent, on vient me demander, on me dit, je viens de faire un paiement il y a 3 secondes et l'argent n'est toujours pas arrivé sur mon compte. C'est absolument normal. Il faut compter entre 30 et 60 minutes minimum pour que cela apparaisse. Même si ça peut parfois apparaître beaucoup plus vite, c'est la chance que vous avez. Mais le support technique va vous demander forcément d'attendre 24 heures. Donc, ne vous éprenez pas à la dernière seconde. Si, par exemple, nos promotions finissent le 15 août, ne vous amusez pas à venir le 15 août, alors qu'en plus, c'est un jour férié, de chercher des dollars, alors que vous saviez très bien que ça se finissait le 15 août. Cherchez vos dollars avant et payez au moins le 14. Comme ça, le 15, vous êtes tranquille et vous n'êtes pas obligé de courir. Si vous avez un petit problème technique, au moins, vous avez encore un jour de marge. Les crypto-monnaies, ce n'est pas immédiat. D'accord ? Donc, répétez-le à vos gens qui sont autour de vous de telle manière à ce qu'ils comprennent bien cela. Je vous invite cordialement à venir à mon prochain webinaire la semaine prochaine. Et nous allons parler cette fois-ci du programme de partenariat. Ça sera le 7 août. Et vous qui avez quelques questions souvent sur comment est-ce qu'on gagne de l'argent et si je n'ai pas assez développé le partenariat ce soir, eh bien, je l'expliquerai un peu plus la semaine prochaine pour que vous aussi vous puissiez savoir de quoi il en retourne et comment on peut gagner de l'argent avec cela. Sachez que ça fonctionne bien et qu'il faut juste avoir un peu de persévérance et un peu de patience pour pouvoir acquérir ce que l'on appelle une structure de partenariat. Sachant aussi que après le projet moteur du NOF, eh bien, la société Solar Group va se pencher sur un autre projet et qu'à ce moment-là, eh bien, nous aurons encore la possibilité de continuer à faire bénéficier à de nombreux partenaires eh bien, de bonus de partenariat. Voilà, je n'ai clairement pas accepté aux questions avant parce que je voulais les garder pour la fin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et à présent, je vais essayer de feuilleter vos questions pour pouvoir y répondre et vous donner des réponses à vos interrogations, de choses qui n'étaient peut-être pas suffisamment claires pour vous dans mon exposé de ce soir ou qui, en cours de route, ont peut-être été répondues. Je reviens donc à l'écran en entier. Coucou, c'est moi. Et on va essayer de parcourir les questions qui ont été posées en reprenant tout simplement le chat qui est là. Alors, Alors, qu'est-ce qu'on va dire hop, on va commencer depuis le début. Alors, il y a beaucoup de haha, de hihi, d'applaudissements. Merci à tout le monde. Voilà. Barbara, vous avez donné également la chaîne YouTube officielle sur laquelle vous allez pouvoir retrouver beaucoup de vidéos. Souvent, les gens nous posent des questions si nous avons des vidéos pour montrer ce que c'est que le bâtiment. Est-ce qu'on a des vidéos pour montrer qui était là-bas? Barbara, qui est mon assistante et ma compagne aussi, pour ceux qui ne le savaient pas, eh bien, est également là à vous donner son numéro de téléphone. Donc, nous sommes au Bénin. C'est pour ça que vous avez un numéro en plus de 129. C'est son numéro WhatsApp. Voilà. Ensuite, nous avons Arrobas qui n'a pas compris ce que j'ai dit ce soir et qui nous demande la fatidique question, c'est quand on rentre en bourse. Eh ben, on ne sait pas. Voilà. Donc, comme ça, ça vous donne une réponse aussi intéressante que votre question. On a déjà expliqué de très nombreuses fois, et je voudrais vous l'expliquer si vous êtes nouveau, qu'une société doit d'abord travailler et doit d'abord rapporter de l'argent avant qu'on puisse aller en bourse. Donc, si vous voulez une date, c'est 2026 ou peut-être 2027 même.
parce qu'on ne peut pas aller en bourse comme ça en claquant des doigts. Au même titre que si vous plantez du cacao, eh bien, vous ne pouvez pas cueillir le cacao comme ça. Voilà. Donc, il faut un certain temps. Et que cette question est une question qui est toujours posée peut-être un peu maladroitement, parce que ça veut souvent dire qu'on n'a pas compris de quoi il s'agit. Monsieur Warren Buffett, qui est milliardaire, disait que si vous n'avez pas compris que quand on investit en bourse, on doit garder des actions pendant au moins 10 ans, c'est que vous n'avez rien compris. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un milliardaire qui vous le dit. D'accord ? Donc, j'espère que vous prendrez un peu ces conseils au sérieux et que, en fait, même si vous posez la question, parce que vous êtes peut-être nouveau, cette question est posée tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui posent cette question. Et tous les jours, on leur dit que ce n'est pas la question essentielle parce que si vous pratiquez du partenariat, vous pouvez gagner de l'argent dès demain. Donc, il n'y a pas besoin d'être pressé d'être en bourse, vous comprenez ? La bourse, ça sert juste à revendre des actions, c'est-à-dire de revendre la poule aux œufs d'or. Alors, c'est quoi la poule aux œufs d'or ? C'est les actions qui peuvent vous rapporter des dividendes tous les ans. Je ne vais peut-être pas bien expliquer. Les dividendes, c'est tous les ans. Tous les ans, vous avez la société, si elle fait des bénéfices, qui vous redistribue les dividendes. Et à ce moment-là, si vous vendez les actions, ben, vous n'aurez plus de dividendes. Donc, c'est ce qu'on appelle vendre la poule aux œufs d'or. Parce que, bien sûr, on espère que Sauvelmash nous pondra des dividendes en or pour l'avenir. Peut-être pas tout de suite la première année, hein, ni les deux, trois années. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de garder des actions le plus longtemps possible sans avoir l'intention de les revendre le plus vite, comme vous le suggériez, ou que laissait sous-entendre votre question. On a d'ailleurs répondu qu'il est trop tôt pour parler de bourse, c'est vrai. Nous sommes en train de semer et d'arroser la plante. Et il faut attendre qu'elle soit mûre pour pouvoir y arriver. Donc, je vous invite cordialement à voir les choses autrement. Et j'avais une petite image dernièrement qui montrait un peu cela. Je ne sais pas si je suis susceptible de vous la retrouver rapidement, je ne pense pas. Sinon, je vous aurais bien montré une petite image qui permet de montrer un peu exactement ce que l'on veut dire par là quand il faut arroser abondamment. Voilà, bon, je ne la retrouve pas sur le coup. Mais je la retrouverai, je vous la balancerai prochainement. Alors, à moins qu'elle soit quelque part ailleurs, je vais vous trouver ça peut-être. Non, parce que c'était vraiment une image qui, en fait, illustre beaucoup ce que je veux dire. Alors, attendez voir, je crois que je ne l'ai pas loin. Voilà, je pense que je vais l'avoir, cette image. Non, mais c'est intéressant, en fait. Parce que vous allez voir que ça représente exactement ce dont je veux parler. Et cette image, elle circule un peu sur les réseaux en ce moment et je la trouve très intéressante. Donc, je vais vous la partager tout de suite si j'y arrive. Voilà, d'accord ? Donc, vous voyez qu'ici, on doit d'abord semer. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on est en train de faire une levée de fonds. On est à l'étape 18 sur 20, donc on sème. Et après, il faut abondamment arroser. Moi, je dis souvent qu'il faut arroser encore avec des billets de banque. Et puis, vous voyez qu'après, une fois que c'est mûr, on récolte. Et pour que ce soit mûr, ben, faut patienter. Voilà, c'est ça qu'on veut dire par ce biais de cette jolie image que je vous ai mis ici. Alors, je reviens et on va essayer de parler des autres questions. Bonsoir, moi je suis nouveau et je suis très intéressé, s'il vous plaît aidez-moi, merci d'avance. Alors aider à quoi? Eh bien c'est tout simplement de vous adresser à la personne qui vous a invité ici. Est-ce que c'est moi qui vous ai invité dans ce webinaire? Quel cas, vous avez le numéro de téléphone de mon assistante qui est en ligne ici, vous pouvez la joindre et on peut vous inscrire. Si ce n'est pas moi et que c'est quelqu'un d'autre qui vous a invité, il faut que vous vous tourniez vers cette personne pour qu'elle vous donne ce qu'on appelle un lien d'inscription ou un lien d'affiliation pour que vous puissiez vous inscrire avec elle. Et c'est cette personne-là qui va devoir vous guider
et vous expliquer comment faire. Et puis, bien sûr, comme vous avez posé la question tout au début quasiment de ce webinaire, j'espère que vous avez pu suivre comment faire et ce qu'il faut faire pour pouvoir investir, avoir de l'argent que vous pouvez transformer en dollars sur des plateformes, charger ces dollars sur la plateforme et commencer à acheter un pack. C'est vraiment un chemin que souvent on ne comprend pas trop bien quand on est nouveau. Et je vous remercie d'avoir posé cette question parce que c'est en fait tellement banal pour nous qui sommes déjà dans le business qu'on ne prête plus attention à cette façon de faire et que pourtant c'est la base de ce que chaque débutant devrait apprendre, c'est de charger des dollars et de pouvoir acheter un pack. Donc, merci d'avoir posé et surtout, voilà. Est-ce qu'il y a un code promo pour restituer son pack annulé? Non. En ce moment, vous pouvez restituer votre pack annulé juste en cliquant sur un bouton et en téléchargeant, en chargeant, une seule mensualité. Donc, ça fait partie des promotions actuelles. Vous pouvez avoir la possibilité de restituer votre pack avec une seule mensualité. Beaucoup de gens ont eu des difficultés à l'époque du Covid ou par d'autres biais qui se sont malheureusement manifestés dans leur vie et qui ont fait qu'ils n'ont pas pu poursuivre les paiements. La société SolarGroup vous tend la main et d'ailleurs, rares sont ceux qui le font. Je peux vous dire qu'il y a d'autres sociétés de financement participatif qui ne proposent pas tout ce genre de choses et qui vous permettent d'acheter juste un tout petit peu de part, alors que là, vous avez réellement la possibilité de remettre votre pack, même s'il a été abandonné il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous pouvez le faire. Juste en chargeant une seule mensualité de votre pack abandonné et en cliquant sur le bouton « Restituer », qui est un bouton qui se trouve donc sur la page. Vous allez reconnaître facilement, hein, parce que même que vous allez aller dans votre compte, ça va vous l'indiquer et vous allez pouvoir restituer votre pack. Mais rentrez dans votre compte parce que beaucoup de gens ne rentrent pas dans le compte et en fait ne voient même pas qu'il y a des années en arrière, ils avaient un pack. Des fois, certains ne savent plus comment rentrer dans leur compte, ont perdu l'adresse email. Là aussi, vous avez la possibilité de demander au support ou demandez-moi ou demandez à mon assistante. On est capable de vous donner l'adresse email qui correspond à votre compte si vous aviez signé le contrat de partenariat. Et donc, dans ce cadre, on peut le faire. On peut vous aider à retrouver votre compte. Et vous pouvez aussi faire, n'oubliez pas, mot de passe oublié, parce que très souvent, c'est une histoire de mot de passe. Vous voulez rentrer un ancien mot de passe et ça ne marche pas. N'insistez pas, si vous faites 3 fois, votre compte sera bloqué et vous allez avoir du mal à le débloquer. Une personne dit qu'elle n'a pas reçu le code, mais voilà que quelqu'un d'autre a eu la mauvaise idée de le lancer. Donc, ce n'est pas bien. Merci à Techno CI6. Je vous remercie, je ne devrais pas vous donner de code du tout, je devrais même vous bloquer parce qu'on indique qu'on a les codes inbox, pas outbox. D'accord ? Merci beaucoup. Je n'apprécie pas beaucoup. Quand on dit quelque chose, c'est inbox, pas outbox. Merci. Voilà. Sachez que les codes sont limités. Donc, si vous les balancez sur les réseaux sociaux, eh bien, ceux qui ont reçu des codes ne pourront plus les utiliser. Donc, ce n'est pas très malin. Voilà. Ils sont limités, on ne peut les utiliser qu'un certain nombre de fois. Donc, si vous jouez à ça, ben, ce n'est pas bien, parce que vous allez pénaliser les autres personnes. Et notamment les gens qui ont attendu pendant de nombreuses minutes pour avoir un code. Comment le voir? Eh bien, vous avez un inbox, vous avez un chat personnel dans la salle Zoom. Il faut regarder sur discussion en bas sur votre smartphone. Et dans discussion, Barbara vous a adressé ce code personnellement. Voilà. On nous dit qu'on n'a pas reçu le code. Voilà. Simplement, les gens étaient impatients. Mais vous savez, vous étiez plus de 50 personnes ce soir dans le Zoom. Et Barbara n'a que 2 bras et elle ne pouvait pas vous donner à 50 personnes à la fois le même code. Donc, voilà. Elle vous a d'ailleurs dit que ça a été envoyé. Donc, la plupart des questions ne tournaient qu'autour des codes qui n'étaient pas reçus.
Donc, on vous a envoyé plusieurs fois les codes à certains et d'autres nous disent toujours qu'ils ne l'ont pas reçu. Une question de la part de Paul Denis, un de nos brillants orateurs de Yaoundé. La course des partenaires s'achève aujourd'hui. Sera-t-elle prolongée? Je ne pense pas. Ça avait été annoncé que c'était déjà une prolongation. Donc, on était déjà dans une période de prolongation. Si toutefois elle devait être prolongée et que ce soit automatique dans le back-office, bah, tant mieux. Mais à la base, il avait été annoncé qu'elle se finirait ce soir. Donc, voilà. Y a-t-il des exposés prévus pour... Voilà, oui. Vous avez dans votre back-office toutes les présentations. Vous cliquez sur événements, puis sur rencontres, et vous avez toutes les rencontres de tous les pays qui s'affichent. Vous pouvez même sélectionner la langue française. Et ce moment-là, ça ne va vous donner que les villes où il y a des présentations en français. Est-ce qu'il est possible de changer son mot de passe s'il arrivait que quelqu'un a pris connaissance de ça? Oui, bien sûr. Vous faites tout simplement mot de passe oublié, vous recevez un email dans votre boîte email et vous cliquez sur le lien et vous changez votre mot de passe. Voilà, mettez un mot de passe, comme dit, sécurisé. Et cela ira mieux. D'accord, on nous demande des codes promo, ils ont été distribués. Alors, si je décède, qu'arrive-t-il de mes parts? Vous pouvez nommer ce que l'on appelle un héritier. Alors, ce n'est pas vraiment un héritier réel, bon, enfin, bien que. La société, cela groupe, a prévu cela. Vous devez aller dans profil, donc vous devez cliquer sur le petit bonhomme qui se trouve en haut dans votre back office, ou si vous avez mis une photo à cette place, c'est sur votre photo. Et dans les paramètres, vous avez donc, dans le paramètre profil, vous pouvez ajouter un héritier, donc une personne qui est susceptible de pouvoir accéder à votre compte et de pouvoir le gérer après votre disparition. Vous avez donc possibilité de mettre là un héritier. C'est vrai que d'autres personnes posent souvent cette question et la compagnie a fait ce qu'il fallait pour pouvoir passer une autre personne. Est-ce qu'il est possible de payer par carte bancaire prépayée? Essayez, je ne peux pas vous garantir. Souvent, il y a ce qu'on appelle un code de sécurité 3Secure que proposent les banques. C'est un SMS qu'envoie la banque ou alors un code sur une application qui vous permettent de valider le paiement. Et souvent, sur les cartes prépayées, si vous n'avez pas associé votre carte prépayée à un numéro de téléphone, vous ne pouvez pas recevoir ce code. Et dans ces cas-là, ça ne fonctionne souvent pas. Mais la seule chose que je puisse vous conseiller, c'est d'essayer. Voilà. Parce que certaines cartes prépayées seront parfois valides et d'autres non. Voilà, alors vous pouvez contacter bien sûr mon assistante sur son WhatsApp. Une fois avoir atteint l'étape 20, y aura-t-il toujours la possibilité d'acheter des parts pour ceux qui ont déjà sont déjà dans le projet? Ou bien une fois atteint l'étape 20, plus d'achat de parts? Oui, c'est bien ça, plus d'achat de parts. Sauf à la bourse interne. La bourse interne, c'est quoi? Ben, c'est celui qui veut gagner 3 centimes et qui veut vendre ses parts de l'étape 17 à l'étape 20 et qui va vouloir vous les vendre parce qu'il est pressé de gagner 3 francs 6 sous, comme on dit. Et donc, à ce moment-là, il va vous les vendre et vous allez pouvoir les acheter. Ça sera la seule façon d'acheter des parts après l'étape 20 et après que les 70 millions de dollars soient récupérés. Voilà, je pense avoir fait le tour des questions. Je ne vois plus d'autres. Je suis arrivé au bout. J'espère que vous avez su prendre note de mes revendications pour utiliser les codes promo, que vous avez eu la bonne idée d'en faire part à vos invités. Et que ceux qui ont posé la question comment s'inscrire, eh bien, puissent se diriger vers les personnes et s'inscrire vite, 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 parce qu'il y a actuellement une promo en cours qui leur permet de récupérer encore 25 dollars pour les aider à investir. De quoi s'agit-il dans ce projet? Il s'agit d'investir de l'argent, bien évidemment, et c'est vraiment ce qu'on vous
propose. Et voilà. Bien compris, content d'être sur le bateau. D'accord. Eh bien, voilà, longue vie à ce projet. Pour l'instant, il se débrouille plutôt bien. Et je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir profité de mes bons conseils pour ce projet. Bien sûr, je n'ai pas tout dit et qu'on ne peut pas savoir en une soirée exactement tout ce qui se passe dans le projet. Barbara vous a donné le lien vers le groupe Telegram et vous a donné le lien vers la chaîne YouTube. Utilisez-les et de telle manière à ce que vous puissiez avoir tout ça. Alors, Sam du Gabon dit ne pas avoir reçu le code. Barbara va s'en charger encore une fois. Sinon, vous avez le numéro de Barbara, vous pouvez remonter le chat, il n'est pas loin, elle l'a remis encore une fois juste au-dessus pour que vous puissiez la joindre inbox sur son WhatsApp. Voilà, on s'est dépêché de vous le donner encore une fois. Sinon, Monsieur Sam du Gabon, je vais vous abandonner ce soir. Je laisse quelques minutes la salle allumée pour que vous puissiez échanger avec Barbara. Et sinon, ce sera inbox que vous nous joindre. Merci beaucoup pour vos questions. Merci beaucoup pour votre présence ce soir encore. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre webinaire qui va vous parler de partenariat et de savoir comment gagner de l'argent avec Solar Group. Merci bien. Bonne soirée.